secondes. Je vous rappelle le programme de la journée. On va jouer à Plate Up avec, avec Wingo, Onu, Beatle. Beatle n'a jamais joué. Wingo et Onu ont déjà joué. Onu a déjà beaucoup joué. C'est un jeu en coop qui pourrait ressembler à Overcooked dans l'idée, mais qui est plus en mode, en mode roguelike. Et vous allez pouvoir aussi faire des trucs et tout. C'est assez drôle comme jeu, apparemment. J'ai jamais testé, mais Wingo et Onu sont définitivement conquis par le jeu. Et ensuite, vers 13h30, 14h à peu près, on partira sur la suite de Fire Emblem. Par contre, je stopperai pas le live trop tard parce que j'ai un train ce soir, tout simplement. Donc, faudrait que je parte à 17h30, 18h, grand max. Voilà. Allô ? Salut ! Allô ! Salut Ponce ! Allô ! Ça va ? Oui. C'est quoi cette voix ? Vous avez reçu les photos sur Facebook ? Oh putain. Putain. Allô ? Allô ? Bon, ça capte mal ? Non, tranquille, ça capte super bien en vrai, mec. Hein. Putain, en plus, moi j'ai une musique de jazz là. Qu'est-ce que c'est que ces conneries là ? Allô ? C'est du The Weeknd là. Ah, c'est, ouais. C'est une autre ambiance. Hein. C'est complètement différent, ça n'a absolument rien à voir. C'est une autre ambiance. Une... Allô ? Ah, mais putain, c'est trop. Allô ? Il faut sortir, il faut arrêter là. Allô ? Allô ? Bon, je me mets en free play sur RL, allô, c'est bon. Non, mais c'est trop grave. Allô ? 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 Ah, les gars, Playtup. Allô ? Platup ? Oh oui. Platup ? Oh oui, oh oui, le Playtup. Oh le Playtup à 4. Vraiment, ça va être exceptionnel. Va falloir nous expliquer quand même. Va falloir nous expliquer. Non, franchement, je ne dirais rien du tout. En fait, ça va être trop marrant. Non, mais franchement, je pense que ça peut être marrant de ne rien dire pour les premières runs. En fait, je pense que ça peut être bien juste de répondre à certaines de vos questions si jamais vous en avez. Ouais. Mais pas de vous faire le didacticiel, quoi. Ah, d'accord. Ok. Pour quelle raison, en fait ? Ça, parce que l'expérience de découverte, elle est cool. Ouais, trop bien. Du coup, c'est dommage de la gâcher, quoi. D'accord, ok. Mais on joue ensemble, c'est de la coop. C'est pas on est les uns contre les autres. Non, c'est moi et Onu. Gueule, mec. Non, c'est Onu et moi face à vous deux. L'enfer, j'ai aucune envie. C'est juste un duel, en fait. C'est du PVP pur. Et d'ailleurs, moi, je suis actuellement Diamant 2. Ok. Ok, ça tryhard, ok. Il n'y a pas de roquette, il n'y a pas de versus. Il s'est chauffé sur 33 générations. Bah, disons, il a quand même pas mal joué. J'ai pas mal joué, et l'avantage, c'est que du coup, on en a débloqué énormément de plats. Donc, si on va sur ma save, on a tout le contenu du jeu, donc c'est plutôt cool. Ok. Ah, ça peut être. On peut mettre en français. On peut mettre en français. Surtout qu'on peut mettre en français. On peut commencer avec les. Un truc qui est très marrant avec ce jeu-là, c'est que tu peux connecter ton jeu à ton compte Twitch et ça permet aux gens de ton chat de rejoindre et visiter le resto. En fait, je suis grave chaud, moi. Ils vont rentrer dedans, il y aura leur pseudo. Et en fait, tu vas dans les options, tu vas dans avancer. Attends, je vais lancer le jeu, bien sûr. Ouais, je suis dessus. Avancer. Twitch. Attendez là. Ok, Twitch. Et quand tu vas dans Twitch, ça t'ouvre une fenêtre de type rectangulaire. Et tu cliques sur s'abonner. Autoriser l'accès. Tu autorises l'accès, donc là en fait en gros ça prend le contrôle total de ta chaîne. Et... donc là tout va exploser dans une seconde et là, 5. Et là c'est fini, fin de carrière mec. Add channel, bah ponce. C'est voilà. Super rassurant. Après tu peux mettre les nôtres aussi, comme ça marche pour tous. Ah non, je crois qu'il y a que quelqu'un qui doit le faire, je crois qu'il y a qu'une seule personne. Onutrem, Wingo Burr. Autoriser l'utilisation de votre compte PayPal. Beatle 2. Je valide. Faire un virement de 4000€. Validax. Mensuel, 15 000 balles. Merci à vous. Attends, mais par contre ça bug, je peux pas sélectionner la fenêtre que je veux pour me connecter. Ah c'est bon. Oh, ah oui, mais attendez, je crois que les gars, je suis Bezos là-dessus. Non, ouais, t'es c'est banni. Ça. T'es Bezos. Ouais, en fait, j'ai un gros problème. Jeff. Il est Jeff Bezos. Qu'est-ce que t'as Bezos ? Qu'est-ce qu'il y a ? Non mais sinon je peux le faire, je crois qu'il y a qu'une personne qui doit le faire ça en fait. Et ça marche si je rajoute toutre. Autre. Ah bah go faire ça alors. Ouais, je vais faire ça. Parce que moi en gros je vous explique, j'ai un truc trop chiant là en ce moment sur Twitch, ça fait genre 3 semaines. En fait ça n'utilise plus ma double authentification pour me connecter. Ah, ça vient utiliser un SMS et ça l'envoie sur un numéro, mon numéro de téléphone allemand que j'ai plus depuis du coup 4 ans et demi. Et donc en fait je suis bloqué, je peux plus me connecter sur Twitch sauf si je suis déjà co sur l'endroit, tu vois. Donc là, voilà. La chaîne à tout moment c'est finito quoi. Qui a récupéré ton numéro quoi finalement. Exactement. Ok cool. Non, le numéro n'existe plus, j'ai déjà testé. En vrai c'est super rassurant. Ouais, c'est assez cool. Bah en vrai je pense qu'avec le support de Twitch ça peut se faire, non? Bah oui. Moi aussi ça vient de me le faire là, ça me l'a mis automatiquement par SMS. Bah tu vois, il y a un truc bizarre, ouais. Mais what the fuck. Ah oui, invalide c'est R. Attends, mais il y a des problèmes de token et d'authentification là, il se passe quoi en ce moment? Bon bah on est ensemble du coup.
Si vous avez besoin, je peux ajouter vos chaînes parce que moi ça très bien marché. Ouais, ça marche. C'est super rassurant en tout cas. Ah non, mais je crois que je suis connecté, moi c'est bon. T'en ponce. Ok, ça marche. Twitch, Wingo un Bear. Espace de plaisir. Twitch, Beatle 2. C'est toujours du plaisir. Toujours. Beatle 2. Twitch, vous... ne vous inquiétez pas, vous êtes toujours rassuré. Il n'y a absolument aucun souci d'authentification. Tout va bien. Votre chaîne ne pourra jamais sauter, bien sûr. En tout cas, Jeff Bezos qui va bien se régaler avec la chaîne de Ponce. Bon alors non, moi ça, je joue à Chebest, hein, je vous le dis. Par contre, notre joke, ça c'est un vrai truc à remonter parce que... ouais, mais je l'ai déjà dit à Yob et ouais. il m'a dit qu'on passera un petit temps, enfin faut prendre le temps pour Cole et essayer de débloquer tout ensemble. Ouais. Ok. Donc vers 2025-2026 quoi, un truc comme ça. T'as de la chance de parler des admins Twitch. Dans 12 ans du coup, nickel, parfait, bravo. C'est dans l'abus total. Les gars, vous mettez un fond vert ou pas? Anniversaire de partenariat. Ah, de quoi? Pas de fond vert. Hein. Moi, je suis. Bah, de toute façon, moi, j'ai pas le choix, donc j'avoue. Pas de fond vert, toi, Wingo, sur le jeu? Non. Je pense que. Invité, même tout court d'ailleurs. Comment j'invite des gens? Comment t'as. Bah, tu. Bah, genre, tu leur dis yo, mec, t'as dit de venir, yo, tu vois. Yo, bah, je. Salut, vous pose... mec. Bah, venez, venez, venez. Oui, t'envoies juste un message, quoi, en fait. Comment ça, venez. Venez. Mais je sais pas, justement, c'était ça la question. Mais non, mais. C'est-à-dire, bah, viens, toi, bro. Enfin, oui. Viens. Alors j'aimerais bien, mais enfin. Qui veut venir là? Mais je suis en multijoueur. Moi je veux bien venir. Chat, là moi je veux seulement sur invitation, il y a écrit. Ah, inviter des amis. Ah, c'est peut-être oui. Ça. Oui. J'aimerais bien. Qui veut venir là? C'est bon, je vous invite. Venez, venez mes amis. Oh la guerre. C'est quand tu nous invites? Moi j'ai mis un fond vert pour une immersion totale parce que apparemment c'est un jeu qui quand même faut rentrer dedans quoi. Très immersif. Ouais, c'est très très. Moi j'avoue que j'ai pas mis de fond vert parce que j'ai la flemme. Ok. You are a stupid sandwich. Hein? Ok, toi tu joues Gordon Ramsay, moi je joue Edge Best. Wow. Attends, mais il faut que je crée un profil multijoueur. Oui. Tu pourras le faire de. Attends. Oui, non, je crois que c'est rapide, c'est rapide, mec. Nouveau profil. Pompon. Attends, un jeu de bouffe. Oh là, pourquoi il y a des faisceaux verts? Ah mais arrête de, mais ping. Il fait que pinguer. Il fait que pinguer. Le monsieur, il est chiant. Ah oui. Ouais. Seulement sur un. Attendez, live split not connected, check the server. Merde, j'ai fait quoi? Ah non, mais live split, faut pas l'activer ça. Ce... Okay, j'ai fait n'importe quoi, je crois, à l'époque. Le chat là, dégage! Okay, live split, c'est désactivé. Ok, non, c'est bon. Les gars, je crois que je suis dans une partie. Quoi? Ah ouais? Hein? Mais comment ça? Ah, t'es dans le tuto peut-être? Ah non, mais mec, fais pas le tuto, hein! T'inquiète, mais... t'inquiète, on s'arrange. Ah non, non, mais il faut qu'on. Non, mais attends, Ponce, il faut qu'on reste ensemble, hein! Ah oui, oui, non, non, je pars. Quittez le tutoriel. Je quitte le tutoriel. Non, non, moi faut juste que tu rejoignes l'invitation de Don Trem. Yo. Attendez, du coup. Attendez, je ping aussi, hein. On ping pas trop, tu vas faire cracher le serve, mec. Mais comment on fait pour. Comment je fais pour vous. Je suis où là? Je suis coincé dans. Mais je suis dans un restaurant. Attends, je te réinvite, Pompon. Ah, mais reviens au menu principal. Comment j'invite? Ponce, il est en train de se perdre dans les menus. Ah ouais. Inviter des amis. Fab. FAB. Invité à regarder. Normalement, t'as reçu une invite Steam. Non. Vous ne pouvez pas sortir. Ah, c'est pas sur Steam qu'on reçoit les invites. Bah si. Bah, ton invitation, quand je clique dessus, ça me dit invité à regarder. En fait, regarder la partie. En fait, il a plus rien. En fait, il a toutes les notifications, il en a plus, c'est fini. Ah oui, c'est vrai. Qu'est-ce que. Il s'est fait hacker, le pauvre. Oh non. C'est bien Ponce là avec nous d'ailleurs. Mais regarde, genre là. Là mais oui. Oui. Oui, c'est bien moi. Non mais là en gros c'est soit multijoueur soit quitter le jeu. Je comprends pas. Bah oui multi. Bah multi ils me disent seulement sur invitation ouvrir privé. Genre j'ai l'impression d'être dans une mais game. En vrai ouais, il va sur Steam et récupère l'invite. Mais ça me dit rien. C'est genre Mage de tab. Alors est-ce que tu es connecté à Steam? Mage tab. Mais Mage tab j'ai. Le chat déco. Vous en faites pas, j'ai Mage tab, je vois ONU, je fais clic droit et ça me fait soit inviter à regarder, soit lancer le jeu, regarder la partie. Une invite plus haut. Vous avez rejoint comment, Wingo ben, et moi j'ai Vittel. Ouvert ah, la moi bulle j'ai appuyé de... sur jouer au jeu. Moi j'ai ouvert la bulle de dialogue parce que tu sais ça te fait un message quand tu reçois une invitation et là j'ai fait jouer au jeu. Ouais. Inviter à regarder, lancer le jeu. Mais c'est trop bizarre. Faut que tu fasses quitter le jeu. Ah ok, on me dit qu'il faut que je fasse quitter le jeu. Attends. Ah oui, parce que comme tu dois être dans une game, il t'empêche de venir dans une autre. Wow, d'accord. Ça doit être un bail comme ça, je pense. Codé. Franchement, c'est très très bien codé. Oh. D'accord. Ok, je réouvre le jeu. Pas, c'est map, touche pas, bro. Et pour le moment. Littéralement, les raviolis en burger d'Inde, hot dog, pizza. On pourra commencer avec les burgers, mais bon, voilà, c'est comme vous voulez. Mais pourquoi c'est dur un peu les burgers? C'est quoi le plus simple? Non, je sais pas. Les burgers, c'est le plus simple pour commencer. Et en plus, on va faire des ONU burgers.
Ce serait pas les pizzas le plus simple? Only Burgers. Les Only Burgers que vous avez déjà mangé en plus. Ah, c'est vrai. C'est vrai. On en a graillé un max. Oh, ils sont exceptionnels ces burgers. Multijoueur. Ouais, je te réinvite au pire comme ça. Vas-y. On dirait oui, grave c'est mieux parce que t'as. Oui, on dirait grave multi, Overcook. Oui, je sais pas, c'est pas faux, mais. Alors, vous allez voir que c'est beaucoup plus intéressant et profond. Ouais, je pense que c'est un peu mieux en termes de méca. Les menus sont plus durs que Dark Souls. Oui, non, mais ça c'est encore. Non, mais enfin, tous les menus, vous savez, des fois. Mais les gars, mais vraiment, moi, regardez, je vous montre à tout le monde, mais genre en gros, moi, ils disent invitez à regarder, lancez le jeu. Voilà, j'ai pas de. Ah oui, donc, je sais pas quoi faire là. C'est Overcook en plus complexe. Oui, vous a invité, jouez au jeu. Ah mais non mais c'est juste la trad qui est mal faite je pense. Je pense que jouer au jeu c'est... Et avec toi. Ah tu bah vois gérer, c'est... lancer ouais. Le jeu. Mais là c'est bon t'es avec nous. Mais non je le vois pas. Bah non. Il est pas là. Mais si, non, il aurait dû rejoindre le local ici. Ah, il est là. Non, mais là je suis là. C'est good. Faut maintenir. Ok. Alors question. Ça lag aussi. Qui veut être cuisinier, qui veut être serveur? Moi je veux bien faire partie du service. Bon pour l'instant vous voyez pas comment moi, c'est mais vous allez vite comprendre. J'avoue que tu nous poses la question mais on sait pas ce que c'est frère. En fait, savoir que dans le jeu tout le monde peut tout faire mais c'est mieux à 4 de se répartir les tâches. Bien sûr. Et du coup est-ce que vous êtes plutôt plan de travail, cuisine, cuisson, ça balance la bouffe, ça prépare les plats ou alors plutôt gérer les clients en salle, leur demander quels sont leurs plats, nettoyer les... Moi je fais tout, y a pas de sauce mec. Moi je suis sur le service moi. Tes services Wingo, ok. Ouais. Mais comme ça regarde, c'est bien. Là je fais cuire un steak. Si moi je suis au service et que toi t'es à la cuisine, du coup okay, ça permet le steak d'avoir. Est cuit. Et pour le RP c'est très important si vous êtes en service, n'hésitez pas à mettre une tenue de serveur bien sûr. Ah merde. Devant le miroir. C'est où le miroir? Dans ta chambre. Dans ta chambre. Ouais. Ah oui ma chambre. Là-bas, mec. Ok, moi je suis le bleu. Bah je vais aller dans ma chambre pour manger mon steak devant mon miroir. Je suis orange. Vous avez de toute façon c'est en bas. Moi je suis en tenue BDSM là. C'est pas mal, franchement ça passe bien ça je pense. Je suis ultra crédible là non? Avec mon petit bonnet rose mec. Ah oh, honnêtement Oui ça va, attends. Ah vous voyez mon cul hein? Oui, oui mais regardez. Ah, c'est vrai que tu es nu sous ton tablier. Je suis nu. Qu'est-ce qu'il fout? Mais pourquoi tu es nu comme ça? Je sais pas. Mais veuillez nous cacher ce boule. Moi je serais serveur, regarde. Je serais serveur, regarde cette classe. Tiens regarde. Hey Vitel, mon assistant. En plus, il a de la viande déjà. Il nous régale. Mais qu'est-ce que tu fous avec ta viande? Personne. Non, merci, mec. Quelqu'un veut grave. Alors, on doit choisir une map. C'est random, mais. On doit choisir une map pour commencer. Moi, je vous propose cette map-là. Je pense qu'elle et est plutôt. Et comment je la pose? Mais pourquoi accessible. Je. donne-moi cette viande. Donne-moi cette viande. Si vous la passez, vous pouvez la poser sur des tables ou des planches. Donne-moi cette viande. Donne-moi cette merde. Oh, je sens que ça va être exceptionnel, ça me régale. Attends. Je vais mettre cette viande sur le plan, là. Voilà. Donc, la recette des burgers, elle est très simple. Oh, on peut s'entraîner ici. Voilà. Ouais, ok. Pour moi, le cuistot. Oh, je suis une saucisse. Allez, on peut s'entraîner ici. Donc, ok, on s'entraîne. Faites votre travail de serveur. Qu'est-ce que vous voulez? Rien, moi, vous êtes des chats, je comprends. Oui, oui, on forme ponce. Bonjour, vous voulez quoi? Ouais, c'est. Oui, mais bah rien du tout, étant donné que vous. Ok. En gros, pont. Ce que tu vas voir, c'est que tu vois, il y a un timing pour prendre la commande. Ah. Et ensuite, il y a un timing pour servir la commande. Mais du coup, le timing pour servir la commande est beaucoup plus court que le timing pour prendre la commande. D'accord. Et tu la prends comment? Hop là, il y a un burger déjà fait par Vitel, c'est très bien joué ça. Ah, je pense. Bah là, je suis sur A, je spam A là. Ok. C'est X. Peut-être. Ah. Ah, c'est X, ils veulent deux burgers. Attends, tiens. Et voilà. Il faut amener les deux en même temps. Les deux en du plat. Effectivement, ouais, mais regarde. Deux burgers. Donc, premièrement, tiens, bouffe ça. Regarde comme le temps passe vite, c'est à partir du moment où t'en as donné. Il en faut un deuxième, vite. Pose ça. Pose sur la table. Ils vont être mécontents. Ah non, mais partez pas, vous avez un burger qui est là. Tenez, tiens, bouffe ça. Ok. Y'a plus de. Ah, si, c'est bon, ok. Mais c'est quoi ce truc noir sur le plan de travail là? Je cuis un max. C'est une merde. Vous avez fait caca sur le plan de travail? Est-ce que quelqu'un peut m'enlever ça en fait? Ok, c'est bon. Ah, mais on peut passer là, putain, je suis trop con. Pourquoi je rentre dans la cuisine à chaque fois? Ça va être très très bon. Oh là là, l'organisation. Ok, je mets ça là au cas où. Le chat, je vais le remettre sur sa table. Il va bouffer ça. Je te le dis. On gaspille pas dans mon restaurant, c'est moi qui te le dis. Honnêtement, on est prêt pour faire une vraie game. Viens, va bouffer ton plat, je t'en conjure. On y va. Venez là. Il faut aller. Il peut prendre son burger, le chat là? C'est chiant, par contre. Il y a 4 burgers, gros. Ça va être horrible, putain. Ça va être exceptionnel. Ok. On est prêt? Ouais. Oui.
Et bah pourquoi ça démarre pas? Mais je crois que vous avez des objets dans les mains, c'est pour ça que ça marche pas. Oh, posez-moi ça. Lâchez ce burger. Mettez ça. Lâchez ce putain de burger, merde. C'est trop chiant. Posez vos items, voilà. C'est bon, j'ai plus de burger. Cours. Courez, courez. Oh la vache. Oh, il y a une prédiction. Oula. Oh, la belle semelle, tout de suite, ça va. D'accord, j'ai cramé un steak, mais c'est rien non plus. Oh. Et c'est parti, let's go. Ok. Ah. Alors, comment ça va marcher? Ah, mais donc là, ça, c'est notre restaurant. Ah oui. Mais c'est pas du tout sur la bonne scène. Pardon. Alors, faire cuire le steak et ajouter le pain. Non, jure. Astuce, les recettes peuvent être affichées à tout moment dans le menu pause. Bien sûr. Oh, c'est énorme ce qu'ils nous proposent là. Ok. Donc okay. Là, tout le monde valide pour que ça passe à la suite. Donc ça, c'est notre resto, on peut même mettre un nom. Donc voilà, si vous voulez changer le nom du resto, on peut. Genre, vous partirez sur quoi, vous? Hop. Par exemple... Voilà, c'est un super nom, mec. Moi, je pense qu'on peut l'appeler genre Onutrem. Ok. Mais c'est nul, c'est ton pseudo, mec. Ah, on peut l'appeler... on peut c'est l'appeler... nul, carrément. Alors, sinon, on peut l'appeler, je pense... À la bouffie monde. Onu Burgers. Ah, ok. Attends, regarde, on va l'appeler comme ça. Onu Burgers, avec plein de Z. Hop, non, mais voilà. On peut l'appeler Onu Burgers. On peut l'appeler le restaurant des amis. Le resto des amis. Ou alors, c'est nul. Un peu en mode mangez là et cassez-vous, genre ne rentrez jamais dans ce resto. Tu vois, mangez vite et barrez-vous. Mangez vite et allez vous faire. Une étoile sur The Fork. Mettez 5 étoiles, SVP. En vrai, mangez vite et barrez-vous, c'est pas mal. Comme ça. Ok. Viens graille et bouge. Viens graille puis bouge. Viens, c'est joli en vrai, c'est joli en vrai. Bon bah je sélectionne ça. Vas-y. Bocuse tiers de fou. C'est bon. Ah, ça a pas modifié. Oh non, faut tout refaire. Oh, c'est ruined. Ah, viens graille et bouge, bâtard. Ah non, le bâtard. Ok, c'est bon, j'ai renommé normalement. Viens graille et bouge. Oh, c'est bouge. Lendo. Voilà, comment ça va se passer une journée? D'accord. Mais qu'est-ce que vous faites là? Alors en fait, en gros, dans ce jeu, on peut aménager la cuisine. Vous avez okay. vu Ouais. Ici, par exemple, là, c'est la salle. On va avoir tous les gens qui vont venir. C'est cosy. Hein. Et il y a une phase à chaque fois. C'est très cosy. Non, mais franchement, ça va s'améliorer. Ah. Ça sera très stylé. Après, vous inquiétez pas. Non, je vais chier sur le plan de travail. J'arrive. Ah, nickel. Ok, re. Alors, nous avons ici un super restaurant avec deux tables. C'est exceptionnel. C'est infernal. Une cuisine à droite. Ouais. Et l'objectif va être de servir tous les clients de la journée. On voit qu'il y aura 7 groupes attendus. Donc, on a les infos à gauche. Qui veut du pain? 7 groupes. 7 groupes. Mais attends, mec, moi j'ai pas la capacité de gérer ça. Attends, mais tu vas dire que notre resto il s'appelle Viens graille et bouge et il y a des gens qui réservent. Il y a des gens qui viennent effectivement et ils vont vouloir des burgers. Ouais, oui, bah bien sûr. Un moment, hein. Moi je suis obligé de passer. Si on a envie de proposer des raviolis, on proposera des raviolis, merde. C'est quoi ça encore? C'est quoi ce ça? Ce qui va se passer, c'est que en gros, alors je suis un peu d'aménagement, ouais, vous me permettez. Je comprends. Allez. Oui, faut Pont vient en salle. Tiens, je te mets ça là. Les serveurs en salle, bien sûr. Je te mets ça là. Idéalement, et nous, je suis pas trop sûr de l'aménagement là. Vas-y, je vais en salle. Excuse-moi, je suis là, Wingo. Et du coup, regarde. Déjà, tu peux bouger tes. Non, mais tu vas pas mettre ça devant la porte. Ouais. Nickel. Moi, pour moi, il faudrait leur créer une intimité. Attends, il faut que ça soit accessible facilement. En appuyant sur X, tu peux. Rapidement. En vrai. Tu peux faire en sorte que des chaises soient. En vrai, pour moi, on fait ça. Non fonctionnel. En vrai, notre joke. Attends. Ah, laisse-le là. Alors attends, j'ai une idée. C'est des tables de combien que on met les deux là, on reçoit que des tables de deux. Comme ça au moins on peut faire. Ah, on reçoit des tables de deux. Oh mec, on les met Gucci. On la met juste en fait... là à côté de la porte, tu vois. Comme ça s'il y a un raté, hop, on envoie, tu vois. Comme ça c'est bien, non? Il y aura jamais de raté, mec, il y aura jamais de raté, d'accord. Alors par contre, je pense réellement les assiettes on les met là comme ça on peut récupérer tout de suite la vaisselle. Comme ça, non? Et le pain à burger. Moi les assiettes on veut les avoir là. Tu veux qu'on le mette de l'autre côté? Bah c'est parfait là. On a la place de tomber ici entre-temps. Qui fait la vaisselle? Est-ce que c'est nous qui faisons la vaisselle ou est-ce que c'est vous, les gars? Comment on s'organise pour la vaisselle? Oh non, pas encore moi, la plonge! Ah si, c'est qui fait la vaisselle? Moi, ça me dérange pas, je peux faire la vaisselle, j'aime bien. T'adores faire la vaisselle, toi? En oui, j'adore faire. Enfin, c'est ce que je préfère quand je fais le ménage. J'adore faire la vaisselle. C'est vrai, premier doc. C'est vrai. Par contre, il vous faut. Hein, voilà. Non, mais ça n'existe pas. Attends, on fait la plonge devant les gens? Soit accessible pour, oui, devant pour les vous, gens. Mais c'est quoi ce resto claqué au sol? Non, mais attends, mec. Tu veux la faire où là? Attends, si tu veux, regarde. Onu. On leur met. Attends, tu sais quoi? On met la poubelle juste là. Comme ça, ils ont vraiment. Mets-la sur la table, mec. Mets-la sur la table, je pense. Attends, je sais pas si on peut. Ce serait bien en vrai. Ah non, ça remplace. Oh, mec, putain, on avait tout mis. Non, ça ne marche pas, bien sûr. Prends ta poubelle là, t'es en train de détruire notre. Non, bah ok, je ferai la plonge devant les clients. Je leur. Devant les clients, lavabo, poubelle. Non, c'est nickel, c'est que du plaisir. Au pire, on fait un spectacle de jonglage, je t'envoie les assiettes.
Ah, c'est un tout fumé, hein, bien sûr. Ah non, mais attention, hein, les gars. Hein. Ah là... non, mais ici, on ne vous propose oh, que le des cirque. Dingues. Mais attends, mais. Viens, tu vas être coincé, bro. Mais pourquoi tu coinces les trucs là? Parce qu'on n'a pas besoin de la place pour l'instant. Ah, et tu voilà, préfères qu'on fasse la plonge devant les clients plutôt que. Bah après, après moi, c'est vrai pas, que je préfère après, la plonge, c'est plus rapide moi, pour nous. Je vais pas vous quoi. Mentir qu'un peu promiscuité avec Monsieur Nutret me dérange pas. Bah donc, oui, c'est... Okay. C'est vrai que vous êtes, oui, êtes collés. Hein, après, ah là, mec, c'est le premier jour. C'est le premier jour et en vrai ça va. Mais après, plus on va avancer, plus ça va servir notre carte. Oui, j'avoue, le téléphone. Par contre, ONU. Oui. Il faut un plan de travail. Le téléphone, on fait. C'est quoi au niveau du comptoir parce que. Ah, pour poser des trucs, ouais, je vous mets ça là. On va clairement jamais ouvrir un resto ensemble, les gars, je crois. Ouais, je suis pas sûr. Aussi, hein. Ça, je suis assez d'accord là-dessus. Bon, eh bien, Vital, bah, je sais pas, moi je, là. Un peu, moi, je vous trouve un peu dur, alors qu'en vrai, il y a une vraie capacité, mais bon. Bah, je pense qu'on est prêt. Si on est prêt, on y va. Hein. Bah, je j'ai jamais été aussi prêt. Ouais, allez, pour c'est parti, let's go. En fait, c'est genre, moi, je pense qu'on devrait ouvrir un bar. Moi, ce que je fais, c'est que je reste là et je regarde Pont. Vas-y. Merde, j'ai fait quoi? Merde. Ok, ah, c'est parti là. Je suis un objet de déco. Ok, attendez. Vas-y, on peut commencer à faire cuire. Bonjour monsieur TheJay67, vous aviez réservé, asseyez-vous juste ici. Oui, vous êtes tout seul? Que voulez-vous manger? Que vous... Un burger? Mais bien sûr, avec grand plaisir. Tenez. C'est servi le burger. Votre burger directement. Les burgers sont déjà en train d'être faits. Hein. Oh voilà, mais putain, mais d'accord, mais j'avais pas capté, mais c'est des fleurs et tout. Ah, j'avoue, je vais vous laisser un peu. Attends, bonjour. Serveur, il faudrait peut-être donner une assiette à notre client, peut-être, non? Ah oui, putain, attends, il va pas manger le pot. On n'est pas des... Excusez-moi, TheJay, excusez-moi. On est pas des sagouins, qu'est-ce que je vous mets? C'est des 100 bits sur ma chaîne. Merci, TheJay. Merci pour les 100 bits. Mais quoi, qu'est-ce que, pourquoi il y a des bits? Oula, tu peux afficher ça in-game. Alors, donc il y en a qui dit... visite pour venir dans le resto. Il hein. y a quelqu'un qui a pas eu son burger là aussi. Le burger. Ok, qu'est-ce que je vous sers? Deux burgers. Putain, ils mangent vite les gens, hein. C'est vraiment. Viens, graille et bouge. Hein. C'est Fast and Furious de la graille. Vite, il m'en faut un deuxième. Il m'en faut un deuxième. Les gars, vite. Vite. Pourquoi? Pourquoi en même temps? Non. C'est catastrophique. En fait, ouais, faut vraiment les servir le. Quasiment en même temps, ouais, parce que sinon t'as pas le temps de le gérer en fait. Ok. Non mais là je suis bien, je prends ça, la plonge, hop, je mets ça là. Attendez, j'appelle des gens, je fais venir des gens en plus. Non, vraiment pas hein. Non mais... Si, c'est important, ouais. C'est important. Attends, y'a Gélé. Putain, y'a Gélé. Je te jure, y'a... Mec, bon appétit. Gélé. Ok, je suis bien. Ah, il faut nettoyer la cuisine, je nettoie le caca, vite ça va cramer. Hop là, c'est bon. Oh putain, y'a quelqu'un de pas content. Oui, bien sûr, rentrez. Voilà. Avec grand plaisir. Attends. Bon, est-ce que tu peux faire la vaisselle? Attends. Ouais, attends, je prends juste ce burger. Non, il me faut une assiette. Vite. Elle est là. C'est good. Parce que. En bas pour le dernier client. Navision. Il y a un burger en plus, hein. Attends, mais je suis bloqué par des clients. Mais s'il vous plaît, mais faites un effort, je travaille ici. Non, mais. Oh le bordel. Okay. Alors par contre vraiment j'aime beaucoup comment les clients font, comment les gens font la plonge, genre vraiment tu secoues les bras de bas en haut. Bien joué messieurs dames, on a survécu à cette première journée. C'était exceptionnel, je suis extrêmement fan de ce qui vient de se passer, franchement. C'est qui la dame dans l'équipe du coup? Masterclass. Bon c'est bien. Bravo à toutes et à tous. Bah c'était bien ouais, ouais non je sais pas. Bravo. Mais par contre, attends, mais du coup, les chats sont invisibles parce que tout le monde veut visiter. Attendez avant d'acheter des trucs. Hein, ONU? Non, personne ne m'écoute de toute façon. Ah, j'ai acheté une table. Bah oui, alors qu'il y avait le bureau à plan, mec. J'ai Oui, non. Pas grave. Ok. En fait, oui, j'ai voulu. Mais m'écoute vraiment pas du tout. Ça n'a rien à faire. Si, je t'écoute, mais Wingo, il est gentil, Wingo. Non, c'est pas vrai, ça, par contre. Hein? Du quoi? Hey, oui. Il a dit quoi le bâtard? Bon. Ouais. Bah, on n'a pas assez, mais attends, mais. Ah, ok, on a une table de plus. En fait, gros, à chaque jour, on a des plans, et en fait, avec l'argent qu'on a, on peut débloquer des nouvelles choses pour le restaurant, pour mieux tenir la cadence. Et il y a une méta, effectivement, qui est de mettre le bureau de recherche dans le meuble à plans, et ensuite, après, on fera des trucs un peu stylés. Mais voilà, ça, c'est la partie un peu optimisation du jeu. Il y a combien de personnes max généralement les niveaux genre les plus durs c'est combien? C'est très très vénère, on peut avoir des 30 groupes qui ramènent très vite. Ah nice. Ah ok. C'est rassurant. Et c'est forcément des tables de 2 qu'on doit avoir là? Pour l'instant oui. On peut pas, ça peut pas être coup, plus. En haut à gauche t'as le truc de taille de groupe 1-2 tu vois. Et donc du coup ça veut dire que t'as soit des gens seuls, soit des gens à deux qui viennent. Ah oui, groupe. Ah oui, j'avais pas vu. Ouais, ça peut pas être plus sauf malus.
Et le plan là, par exemple, il est par terre. On en fait quoi? Bah là, malheureusement, tout, je l'aurais bien acheté, mais ah oui, d'accord. La dépensite est... Non, mais parce que du coup, vous nous avez rien expliqué. En gros, à la fin d'un niveau, il y a des meubles au sol, il y a des plans au sol, et genre, on peut les prendre si on veut. Et si on les prend pas, bah ils disparaissent. Ils sont supprimés. Il y en aura d'autres le jour prochain. Okay, mais okay. T'as quand même les meubles à plans qui permettent de conserver des trucs. Ok. Et ça, c'est très très fort. Et en plus, plus tard, on pourra les améliorer parce qu'il y a des plans améliorables. Donc avec des bureaux de recherche. Je l'ai mis là-dedans parce qu'on peut pas l'acheter tout de suite et donc on le garde pour plus tard. J'ai un premier retour sur notre restaurant sur Tripod Voizir là. Tripod Voizir. La porte de la cuisine grince, ce qui rend la dégustation insupportable. Les employés courent partout, tapent sur leur assiette pour faire la vaisselle. Je parle même pas de leur façon de communiquer qui implique hurler à travers tout le resto. Je n'y retournerai pas. Ah, c'est okay. Bon. C'est ok. Bon. C'est un, je pense qu'on tient la deuxième journée facilement. On sait où est-ce qu'on se le. Ok. Cette table est pas. Attends, je peux faire un truc là. Elle est très bien cette table. Hein. Non, mais après, voilà, vous vous mettez d'accord, vous êtes les serveurs. En fait, moi j'ai peur, tu vois, genre là, la place. Non, je sais pas. Non, c'est très en fait, bien, c'est ça, que, c'est que celles, les tables de gauche sont très loin pour pas grand chose en vrai. J'avoue, pourquoi vous rapprochez pas ça de. Ah oui, du lavabo. Non, c'est, ben, pas, ça, d'accord. C'est pas très beau quoi. Elle pourrait être. Sinon, là. Ouais, mais alors. Non. Ah ouais. Ok, oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Non, oui, c'est vrai. C'était. Ouais, j'ai hésité à ça, mais en vrai, c'est plus cohérent ça, je pense. Ça marche aussi. Mais c'est juste que eux là, si jamais ils s'entendent pas très bien, bon bah c'est clair qu'ils vont passer un mauvais repas quoi. Du coup, regarde, comment on a libéré de l'espace. Oui. Voilà. Ah, c'est bien là, c'est pas mal ce que vous avez. Ah, c'est pas mal là. Attends, même je dirais. Attends. Ah, ok, encore un changement. Non. Ouais, c'est bien. En vrai, c'est bien. On met des petites bougies ici, on met des amoureux. Hop là. Mais du coup, Pont. Ah, tu la remets ? Ok. De ce que j'ai pu voir, je pense vraiment qu'il faut qu'il y en ait. Un qui serve et l'autre qui soit à la plonge. Moi je peux être à la plonge et serre en vrai. Ok, bah je vais essayer de servir après. Bon bah voilà quoi. S'il y a des mauvais avis sur. Mec, nos pressions frère, t'es. Ok. T'es le boss mec. Ok, même. Je suis sûr que tu vas nous pression, régaler. Ok, vous m'avez rassuré. On a payé que 500 000 balles dans ce resto. C'est vrai, on a. Ça va. On n'a pas investi tant que ça, ça va. Mais vous la cuisine, vous voulez pas même plus petite, histoire que vraiment vous puissiez pas bouger, ce serait si, cool, non? C'est très important qu'elle soit. Genre par exemple, regardez, mettez-vous vous deux ici là. Vas-y mettez-vous avant Sonu. Ouais. Voilà. 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 Attends. Et là comme ça. Voilà. Attends, bougez pas. Attends, hop. Attendez deux. Voilà, comme ça. Nickel. Ah là c'est nickel. Bah en vrai on est bien là. Juste le frigo là, le frigo ici. Ah. Là c'est super bien opti là. C'est nickel. C'est top. Bien, franchement, c'est. Te mets ça là, vous démerdez. Attends, les pains à burger. Attendez deux secondes. Je vais juste voir derrière. Ouais. Donc là, on les jette. Ah, les deux. Allez, voilà, sur, devant l'entrée, non, quoi. C'est bien aussi. Hein. Voilà. Bon, allez, on. Catastrophe. Ils arrivent quand, les clicos, là? Bah, dès qu'on. Les clicos, on a remis tout en ordre. Visir, bien sûr. Clicos, il a dit. Les clicos. Ils sont où les Yankees là? Ils sont où les Yankees là? Un peu, putain, c'est un truc de fou ça! Et bah, let's go! Oh, Y tout le monde, hein, tout le monde! Grave, go, go, bah, go, go! Je pense go. Qu'on est juste ready en fait là! Appuyez sur Y! Voilà. Appuyez sur Y! Ouais, c'est bon là, on y va? Let's go, les gars! C'est parti! Ok! Ok! Je les attends devant! Oui, n'hésitez pas à venir, on a les meilleurs burgers! Oui, bonjour! Rentre! Venez. Rentre pas, je te dis. Tu rentres dans le resto. Hey, mange vite et pars. Mange et dégage. Bien accueilli tout le monde. Ça fait sûr, plaisir. Bien accueilli toujours. Vas-y, je t'aide un peu à la cuisine. En vrai, j'accepte parce qu'il a payé avant de manger, donc ça va. Ah. Il t'a donné un pourboire de 200 balles. Bonjour, bienvenue dans le restaurant. J'espère que vous passez un bon moment. Okay. Vous êtes bizarre, il faut un burger vite. Vous êtes bizarre, cassez-vous. C'est bon. Cassez-vous, monsieur le patron. T'en as deux de dispo. Monsieur le patron, vous êtes. Ils ont faim, la table. Bah, ils mangent. Ah. Ok, deux burgers encore de dispo. Oh non, y'a Emdal. Oh non, casse-toi. Oh, merci beaucoup, Emdal, pour le sub, bien sûr. Retourne sur Overwatch. Je suis en train de gérer un truc, là c'est propre. Ok, je vais faire un manga des gens. En même temps là, hop. Bah, je te jure que les avis sur TripAdvisor ça va être une dingue, parce que genre lui je sais ce qu'il veut, du coup je lui fais ça. Par contre, no joke hein, s'ils nous disent que c'est pas bien... Je vais péter un plomb, ouais pareil. On a vos pseudos donc à tout moment on a vos pseudos. Vite, y'a pas, les gars c'est du pain bordel, c'est du pain les gars. Ok.
Putain, mec, oh, la panique d'un coup. Truc, j'ai fait... Par contre, il y a tellement de merde au sol là. C'est ah ouais, mais pourquoi ça nettoie pas? Barrière. Non. Non. Ah, c'est good. Attends, mais comment on nettoie? Bah, avec X en laissant appuyer. Oh, oh ouais, oh les taches de gras. Ouais, en gros, plus tu nettoies vite et plus c'est rapide, et plus tu laisses se faire et plus c'est horrible. Cuisine. Non, en vrai, c'est mal. Giga propre. Non, notre resto était dégueulasse. L'inspection vient, c'est giga clean. Y a... Bon alors attendez, on va débattre sur ce qu'on achète. Ouais, oui carrément. Sur ce qu'on achète, bien sûr. N'achetez rien pour l'instant. J'achète instantanément les assiettes. Non, attends. Il y a quelqu'un dans mon chat, il a dit pourquoi tout le monde spam visite, ça a pas l'air super bon comme resto. Il faut qu'on prenne ce bureau de recherche déjà. Moi j'ai pas débattu, j'avoue. Mais c'est vrai, pourquoi vous voulez venir? Le débat est assez léger. En vrai, on pourrait prendre les assiettes. Les assiettes, moi je suis assez d'accord avec Wingo. Les assiettes, ouais, ça sert à quoi? Plus d'assiettes. Oui, c'est vrai. On a que 4 assiettes pour beaucoup de gens. C'est réel. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas assez d'assiettes. Ça, c'est réel. Je suis assez d'accord avec moi-même aussi. Ouais. Est-ce que le truc assiette peut disparaître du milieu de mon écran? Okay, oui, c'était. Ouais. Non, c'est chiant. Oh là là. En fait, c'est quoi? C'est qu'on voit les trucs que les gens voient. Et... Ah ouais, nickel. On voit les trucs que les gens voient. Exactement. Ok, tu peux. Est-ce qu'on se prend les assiettes du coup? Alors, bah, on a une cuisinière aussi. Ouais, les assiettes. Plus tard, Après, en vrai, honnêtement, là pour l'instant, on arrivait à gérer. Hein, Est-ce que j'achète pas? Tu peux acheter Wingo. Je pense que tu peux acheter, nice. Effectivement, Wingo. Wingo, s'il te plaît. Oui. Et on en fait quoi? On met ça là? Ouais, voilà, ça fait double provision d'assiettes. Franchement, ça met très très bien là. D'ailleurs, Pont. Ouais. Sache que si on est deux à faire la vaisselle, ça va plus vite. Oui, mais si on est trois, d'ailleurs, ça va plus vite aussi. Ah bah je veux. Non mais bien, toujours plus gros, on va être 23 à faire la vaisselle. Si on est 8 à faire la vaisselle. Si on est un millier. Ça va encore plus vite. Je pense qu'on est bon pour la nouvelle journée. En fait là j'ai acheté un bureau de recherche, ça va permettre d'améliorer des plans et ça va faire des dingues par la suite. Mec. Voilà. Laissez la magie faire, laissez la magie opérer. Ah, okay. Ça va les rêves. Qu'est-ce qui se passe? On mettait des tables, ok. Est-ce qu'on est prêt pour la nouvelle journée? Attends, juste le menu du chef là, je comprends pas trop. Provision 4 remet la commande à 0 en le plaçant sur les têtes, j'ai pas trop capté. Bah je sais pas, jamais utilisé cette merde. Ok. 1000 heures de jeu, t'as jamais utilisé cette merde. Et tu comprends pas trop la description non plus? Comme moi. Je pense que la traduction est un peu... Un peu foirée. Okay. Un peu bizarre sur ça. Ok, d'accord. Je dirais que la traduction elle est finito. Moi je dirais. Le timer se met sur une table. Ah, c'est pour reset le timer. Je dirais que c'est pas une masterclass, mon ref. C'est pas une masterclass cette traduction. Ouais, c'est pas une masterclass. Quand vous voulez. On est bon. Rentrez dans le resto. Vous allez être en retard. Au poste. Pardon. Poste. Wingo. Reviens. Wingo. Il faut se mettre prêt les. Moi je suis prêt. Vitel. Qui n'est pas prêt, c'est Vitel. Il fait tourner le frigo là. Vitel, il fait nimp. C'est énorme. Tu l'as lu. Le frigo, il s'est enjaillé de fou. Hein. Il a vécu sa meilleure vie, le bug. Ok, ça commence déjà à faire des blocs. Ok, ok. C'est bon, vous avez déjà des burgers, les gars. Je vois qui c'est. J'appelle des clients en plus. Voilà, mets-toi là. Voilà, mets-toi là. Pas trop clients, frère. Pas trop. Le but est pas non plus de. Bah si. Faut enchaîner de fou. Oh, le mec relou. 89 bits, il a donné. Eh, l'argent là, c'est qui paye? C'est les clients. Ok, vite, gère la tâche de gras. Moi je nettoie. Nettoie la cuisine, mec. Il m'en faut un deuxième fast. Un deuxième fast. Bien, wesh. Arrête de passer. Allo? Ok. Allo? Bon, ça se fait, je viens aider un peu en salle là. Il m'en faut un deuxième fast. Ok, c'est bon. Je suis bien. Y'a pas de viande dans ce burger, y'a pas de viande, Vital. Normal, je l'ai posé juste là. Ouais, t'inquiète. Vous voulez quoi? Un burger? Oh, je m'y attendais pas du tout, on fait que ça en fait. Il faut débarrasser l'état pour que les gens rentrent. Faut que les gens rentrent vite, vite. Oui. On est, les gars, on est super bien organisé là. Non, mais c'est Par contre. Non, qui a laissé le. Oui, voilà. Non, c'est une assiette sale, j'ai failli servir une assiette sale. Voilà, okay, voilà, okay, ça okay, se passe okay, bien. Okay. Imagine tes serveurs et tu sers. Okay. Il manque un burger urgent. Non, mais t'inquiète, mais arrête, mais Onu, tu mets une pression pour rien, tout est sous contrôle, mec. Non, tout va bien, je suis pas en panique. Il faut un burger là, par contre. Il faut un burger. J'ai mis. Il y a pas de panique. Non, là, il y a eu un peu de panique. Qu'est-ce que vous mettez, monsieur? Un petit burger. Un burger pour la une là. Un petit burger. Deux servis.
pouvais que... Vite. Mais un burger, il y a aucun souci pour le burger. Non, tout va bien, tout va bien. Pas de panique à bord. Oh. Okay. Par contre, c'est une usine le machin, c'est... Burger fait, c'est bon. Oh, bordel. Il en faut un. Non, t'inquiète, je suis bien. I'm in the middle of the mess. Je nettoie un peu les tâches là. Il y a personne. Il y a plus de clients. Je crois que c'est une fin de journée, messieurs dames, bravo. C'est une fin de journée. Fin de service. End of the day. End of the day today. Waouh, c'est vraiment le resto du quartier. Hein. Oh oui. Parce que bon, là, on a une étoile. Alors là, je vous présente les malus. Oh, donc merde, on va se taper ça tous les 3 jours. Donc on a le choix entre taille de groupe plus 2 ou taille de groupe minimum. Pardon, je veux dire la carte de gauche, donc plus 2 la taille de groupe. Donc en fait, il pourrait y avoir. Jusqu'à 4 personnes. Ah ouais. Et minimum 2 personnes. Donc de 2 à 4 les tables. On va agrandir les tables. Ou on alors, steak haché frais. Steak haché frais, frère. Et je pense que c'est pas mal parce que ça nous ferait travailler plus en cuisine. Ah, mais c'est nous qui choisissons. Steak haché frais. Ouais. Ah, donc en fait, on devra faire nos propres steaks hachés. Donc il y en a un qui va gérer de créer les steaks hachés et l'autre qui va s'occuper de faire cuire les burgers. Steak. Attends, tu et vas dire. Ça réduit le nombre de gens qui viennent dans le resto en plus. Oui. Tout mais à du fait, du ce qui me laisserait plus de temps de faire la vaisselle. Mais je pense qu'il faut que la cuisine reste à la cuisine, parce que là, le chef qui se balade partout en salle et que tout. Que la cuisine reste à la cuisine. Oui, ONU, c'est trop grave. Genre, tu ça va, bro? Comment tu... Non, mais vous êtes sérieux, là? Vous êtes en train de stigmatiser les cuisiniers, les frères? Wow. Cuisinier à la cuisine, mais putain, mais... Genre, non, on parle de ONU Trem qui... Mais gros, mais il débarque, il est en blouse, taché, gros. La taille de la tâche, c'est mon appartement. Il est là devant les clients, ils sont en mode... Eh, vous avez faim? Vous avez faim ou pas? Alors qu'on les a servis. On les a servis. Mais oui, mais il met une pression folle. Il met une pression folle derrière. Ou quoi là? C'est pour ça. Il y a un moment ça va. Mec, tu es à la cuisine, tu bosses à la cuisine, bordel. Mais d'accord, mais bon, à un moment, je sais pas, faut un petit peu respecter les cuisiniers. Oui, mais nous en salle. Oui, mais nous en salle, on sait ce qu'on fait. Mais tu crois que j'ai aucune formation? Mais tu crois quoi? Mais mec, mais tu crois pas que c'est mon boulot? Mais ça fait tellement longtemps que je travaille dans. Mais quoi? Mais le service, c'est ma vie, putain. Je te dis. Allô, non, allô, je suis désolé, ça me saoule. Moi aussi. Non. Moi aussi, je dis ça me saoule. Moi aussi. Putain. Il faut appeler Philippe. Il faut appeler Philippe. Ah ouais, Philippe, en cuisine. Est-ce que tu penses que ça se passe comme ça dans les restes? En vrai, oui. En vrai, oui. Comme ça et à fin de journée, ils se disent faut qu'on appelle Philippe. On peut. Alors, je sais pas pour le Philippe, mais en vrai, il y a des restos, il peut y avoir cette ambiance, ça peut arriver. Il nous reste plus qu'une chose, c'est appeler Philippe. Je vois pas la suite dans cette aventure. Il faut vraiment qu'on appelle. J'ai une technique pour vous. Si vous voulez qu'il y ait moins de panique, posez une assiette avant de prendre la commande. Ah mec, il y a eu aucune panique. La seule panique qu'il y a eu, c'est quand t'as dit il faut un burger. Et du coup, on était en mode oui, il en faut plein. J'ai peut-être fait ça, mais la technique qui est pas mal, vous pouvez mettre un burger à l'avance sur une assiette vu que vous savez qu'ils avaient commandé ça directement et donc c'est plus facile d'enchaîner comme ça. Ça, c'est vrai. Non, mais comment ça, faut que le burger arrive. Mais après, pour l'instant, il fait des burgers. Après, pour l'instant. Sous pression, c'est pas forcément super bon pour tout le monde. Ouais, je suis désolé, je suis un peu bipolaire. Ils ont l'hypertension, ils sont pas top. Oui, mec, bah c'est, écoute, c'est... on n'est pas une entreprise de gen. Non, c'est ça, écoute. Non, d'accord, ok, bah on chie sur les gens. Y'a pas de soucis, nickel, on exploite au max. Gaffe. Est-ce que quelqu'un peut voter? Je suis en train de nettoyer les. Moi, je vais voter. Pardon, c'est à moi. De ma manette là. Pardon. Ok. Donc là, on a vraiment des burgers. De qualité. Ah oui, là, c'est des haut de gamme. La là. Maison, quoi. C'est bien. Attends, c'est on va peut-être. Donc on a une nouvelle recette. Cassez-le et mélangez pour former un steak haché. Depuis quand tu fais un steak haché avec un œuf? Bah, tu vas voir. Si, en vrai, si. En vrai, si. Alors, n'achetez rien pour l'instant. Faut qu'on voit ce qu'il y a. Ah, vous avez les non-œufs. Je vous amène les non-œufs. C'est pour lier la viande. Pour lier la viande. Ouais, pour lier la viande. Ouais. Bon, je renomme le resto. Je fais les burgers Tarpimbon. En vrai. Tarpimbon. Tarpimbon les baskets. Tarpimbon. Alors en plus, on peut s'organiser, faire un truc assez fou. Donc, qui s'occupe de faire les steaks hachés et qui s'occupe de faire c'est la cuisson? C'est moi qui fais. Tu veux, bah, comme tu veux en vrai. As you wish. Moi, je peux faire les steaks hachés si tu veux. Et... Ou alors, vas-y, la et moi, cuisson, je fais la cuisse. Okay. Oh non, c'est pas moi sur le steak. Hein. C'est Pont qui s'occupe des steaks. Vas-y, je mais non, non, non. Tu sais pas, mec. Tu sais pas, mec. Non, en fait, dis-moi ce que tu penses être le mieux et tout fait, y'a pas de soucis. Mais non. Non, non, vraiment pas. Bah, vas-y, je vais faire la cuisson et comme ça, toi, tu peux faire ces trucs-là. Alors, moi, j'ai juste une suggestion pour l'avenir. Oui. C'est qu'on va vite avoir besoin d'un évier de meilleur. Ouais, mais il faut. Non, mais mec, il faut ça, qu'on achète ça débat, prioritairement, ça. Mon cher Wingobert, et ça coûte 120. Mais le bureau double, c'est le meilleur item du jeu. Pourquoi? En fait, ça permet de copier les plans. Donc, c'est absolument broken. Ah, ok. En vrai, à la limite, après les burgers Tarpimbon, je pense qu'on pourra dire qu'on est chez Lorenzo. Tu sais, ça ramènera un petit peu. Ouais, gros. Chez Lolo? Chez Lolo, non. Ouais. En vrai, vu que c'est toi, tu viens direct, t'es en mode. Évite de le dire à tout le monde, ma main. C'est un peu gênant, frérot, c'est tranquille.
Allez, vas-y, go jouer, frère. Allez, mon gars. Du coup, on glisse 2-3 10 balles, tu sais, dans les burgers, tu sais, histoire de... Ah ouais, mon gars, à chaque fois, je cache des 10 balles dans les burgers, mon gars. Ouais, je m'en bats les couilles, ma man. Qu'est-ce que Beatles se bat comme ça? On serre les Yankees, ma man, ou quoi? On nique la bac. Hop là, je suis en train de faire l'amour à une porte, là, regarde, tu captes ou pas? Là, je suis en train de me reproduire avec une porte, je vais faire un bébé porte, ça va être un portillon, frère. Tu vas voir. Tiens, la gueule du portillon, mon pote, ça va être un mélange entre moi et cette putain de porte. Inquiète ça. Get ça. Du coup, le portillon, c'est une porte avec un bob, du coup enfin, avec un bob Playboy. j'imagine bien le modèle, par contre. Bon, allez, go. Hop là, Beatles, ce que je te propose. Go journée, là. Go bosser, les gars. Go journée. On fait rien. Tu mets un œuf, ce que je veux dire, dessus, et ça va marcher. Ok. On est prêt, go? Ouais. Let's go. Prêt, go? Let's go. Prégorifié. Allez, on commence. C'est à toi, Beatel. C'est à toi d'appuyer sur Beatel, ouais. C'est une vanne dans la thématique, en fait. Allez. Allez. Alors, il faut découper la viande. Lolo, on les bloque? Ouais. Parfait. Et ensuite, il faut faire des œufs, mais il faut les casser. En tagonage. Tu dois le casser. Vas-y, bloque en table. Bloque. Mélange. Voilà, parfait. Et là, c'est bon. C'est et là, du coup, de la cuisson. Alors, antagonas, on veut venir au restaurant. Plutôt antagonias, non? Oh, il a TP! Non, Dumpstorm, arrête. Okay. Non, c'est abusé. Tiens, Anta, c'est cadeau. Qu'est-ce que vous voulez, vous? Un burger genre... Oh putain, je m'y attendais pas du tout. Voir dans le c'est caché, oui, excuse-moi. Roévin? Ça enchaîne. Oh, mais attends, après, tu peux les briser sur la plaque directement. Oh là, belle imitation de la surprise. Je pourrais l'arrêter. Attends, mais. Tu fais dans l'acting, toi, dans ta vie, non? En vrai, c'est aléatoire, les gens qui sont sélectionnés. Alors, ceux qui mettent des bits, ils sont prioritaires. C'est un jeu pay to show. Ah ouais, c'est grave. Oui, c'est un pay to visit. C'est très grave. C'est un pay to visit. Je vais commencer à faire. Okay. Ah non, faut pas l'améliorer, c'est très bien le bureau double. N'hésitez pas. Ah, Vitel, il est très très chaud là. Ça me régale. Oh, mais attendez, les gars, c'est. Oh là 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 là. Encore Mdal, putain. Là, on a enfin trouvé une utilité. Quel mangeur, c'est cool, en vrai. Mdal, 2m18, a besoin de 6 burgers pour être rassasié. C'est réel. 12, 190 kilos de muscles. C'est réel. Qui est juste un titan colossal. On l'appelle El Titanus. El Titanus. Là, on va appeler des gens parce que c'est un peu trop facile. Et ça fait des kills sur 300 bits. Et il est passé que si tardivement, récuse mon modérateur. 300 bits. Attends, mais regarde, je peux mettre des burgers. Non, mais attends, où ça arrive fort là. Regarde, je mets des burgers, je demande qu'est-ce que vous voulez manger. Ils me disent des burgers, je fais tiens. Tu veux griller un truc? Bah, c'est déjà prêt, frère. Bah, voilà. En vrai, c'est la meilleure strat quand il n'y a qu'une recette. Ouais, mais mec, ça, c'est juste exceptionnel en fait. C'est juste la preuve qu'on est une équipe efficace. Ouais, c'est extrêmement soudé ça. Vivement qu'on ait le fromage et les oignons et les tomates à rajouter. Ah, non, vraiment pas, mec. Mais si, ça le fait. Oh là là. Eh ouais, c'est facile, ma man. Pardon, non, c'est pas vrai. Alors, pas non. Vrai, c'est pas vrai. Mais attends, je précise un truc parce que je. Moi, ça marche aussi les 100 bits sur ma chaîne ou pas? Oui, ça marche sur toutes les. Ah, ok, d'accord, parce que j'allais dire, attends, vous faites n'importe quoi là, il se passera rien. Mais oui, sinon, okay. Faut les offrir chez moi en vrai. Justement, ça marche que sur la mienne pour le coup. En vrai, n'hésitez pas. C'est marche. Ça marche, mec, ça marche bien les 100 bits, c'est les T3, franchement. Ça marche. Ouais, ça marche. Ça marche de fou. Okay. Mais mec, du coup. Ah, il y a un évier, je l'achète instant, c'est ok. Attends, non, regarde ce qu'on va faire, on va faire encore mieux. Viens mettre l'évier là-dedans et on va l'améliorer et le cloner. Non. Hein? Si, mec, c'est Master Sword. Mais vous avez cru on était dans la tour de combat sur Pokémon ou quoi là? Pokémon, Arboliva. Okay, oh, mais d'ailleurs, attends, mais vous avez vu. Evoli. Bah, j'ai atteint le top. Mais frère, j'ai atteint le top 6000 monde. Hein. Mais il est trop fort. Genre, il va m'exploser mardi prochain à midi. Après, pour moi, je suis top 48 monde sur la campagne Trackmania. Mais frérot, c'est quoi? Mais tu dors pas? Tu joues qu'à Pokémon en fait? Non, en vrai, pas tant que ça. Non, pas tant que ça. Pas tant que ça. C'est juste c'est son genre de jeu, quoi. C'est les jeux où il faut prendre du temps pour réfléchir. Et... potentiellement. Et comme il est très intelligent, bah. Qu'est-ce qu'il veut? Arrête, Onu, t'es giga smart aussi, arrête. Non, mec, je suis plus un joueur réflexe. Non. T'es un joueur réflexe, mais t'es super smart, mec. Non. Je suis bien trop con, si tu le savais. Non, putain. Attends, regardez ça, ça permet de. Il y a peut-être ça, chacal, hein. Ça permet de couper et de toucher. Hein? À planche. Ah, oui. La toucher, oui. Hein? Toucher. En vrai, la planche, on en a assez, je pense, non? Mitel, t'es bien en termes de planche? Mitel? Ah, mais moi, je suis au calme, hein? Oh, bon, voilà, on a pas besoin. Mitel. Calme.
Moi, je suis au calme. Bah écoutez, moi, je suis chaud pour une nouvelle journée. Calme, oui. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Non, il faut des banques. C'est vrai que je suis dans le top monde sur Pokémon, mais c'était le deuxième jour de la saison, donc j'ai un peu grind instant. Ouais, mais si, c'est bien quand même, c'est bien quand même. Mais mec, au moins, t'as pu prendre un screen et être en mode, j'ai été 6000 mondes. T'inquiète, Jolé, le screen est juste à côté de moi, mec. Je l'ai imprimé avec moi. Il est déjà encadré, il est en train de se faire envoyer chez Vistaprint pour avoir une carte de visite. Non, t'inquiète, mec. Mitel, j'ai une question. Oui. Es-tu prêt? Bah oui. Est-ce que tu peux appuyer sur cette... Dans ce cas-là, est-ce que tu peux appuyer sur Y? Non, j'ai pas envie. S'il te plaît. Tu vas péter ton crâne. Je t'en supplie, Vitel. Je t'en supplie, Vitel. Appuie sur le champignon. Je vais foncer tête baissée dans une barrière. Le screen, il est juste là. Il est juste là. Dans un portillon, même. Voilà, il y a Roué 20. Ah merde. Encore Roué... Merde. On a un lave-vaisselle, on peut avoir un double lave-vaisselle avec la copie. Oui, oui, pardon, excusez-moi. Clogain, Roivin, qu'est-ce que vous voulez? Putain, mais je vous connais, vous êtes des fleurs de longue date. Ah, mais oui, ça fait trop plaisir de vous voir là, ça va toi, Clogain? Bon, quand même, mais tu fais quoi toi? T'inquiète. Roivin, ça fait plusieurs fois que tu viens, ça fait plaisir en vrai. T'inquiète. Vous voulez. Ah oui, des burgers, pardon. Pardon. Excusez-moi, attends. Il y a des clients qui attendent déjà là. Merci, l'hiver, bien sûr, qui se ramène. Il faut des burgers. Un burger, C'est bon. Vous les servir vraiment en même temps. Mais là, c'est perdu là. Mais non, c'est pas perdu. Non, c'est bon. À cause de l'erreur de la cuisine hein, d'ailleurs. Quoi, quelle erreur. Mais les gars, il faut vous bouger le fiac hein. Il faut débarrasser les tables, sinon les gens rentrent pas. Mais oui, mais on veut pas que les gens rentrent, on a pas de bouffe. Genre, premier dog. Hein. La bouffe, là, c'est bon. Mais regarde mais non. Oh mais les gars, mais notre steak il est peut-être bon, mais il met 8h30, c'est bon aussi. Il y a une dalle qui arrive, arrêtez de venir. Vous avez pété un boulon là, les gars. Prends l'assiette en bas, bonbon. Il faut débarrasser en bas, vite, surtout, c'est prioritaire. En bas, enlever. On était sur le point de... Pourquoi il y a un œuf au plat? Mais pourquoi il va faire un œuf au plat? Bah quoi, qui veut un œuf au plat? Non mais viens, je peux donner un œuf au... Attends, non, personne veut d'œuf au plat. Il manque des burgers, les gars. Je l'ai jeté. Les gars, les gens s'emmerdent en fait, là, en faisant la queue. Oh putain. Les gens sont en train de partir. Burger, vite. Du, je vous le dis, Je peux pas le tirer. Oh mais c'est une fermeture définitive, hein. Restaurant terminé. Ah c'est... Ce voilà. Restaurant a dû fermer carrément, frère. Ah mais c'est le jeu ne pardonne pas, hein. C'est un roguelite, hein. Mais attends, mais comment ça? Comment ça? Parce que à un moment donné, moi je sers un burger dès qu'il y en a un, mais si la cuisine... Je me suis retrouvé bloqué avec un burger là-bas, je pouvais pas le faire. Bah ouais, mais c'est encore votre problème en la cuisine, ça. C'est que vous êtes... Mais ouais, mais les gars, il y a un moment, réveillez-vous, quoi. Nous en salle, on est en train de tanker les clients toute la journée. Nous, on sent que c'est la cuisine qui pense pouvoir faire tout en même temps. Exactement. Et j'en peux plus. Ouais, mais nous, on a... Vous chialez constamment. Parce que devant nous, on a le visage de la déception. Pendant que vous avez quoi? Un mur blanc avec des taches de gras. Ah oui, alors, c'est vrai. J'en peux plus. Bitel. Ils te voient, ils sont déjà en train de pleurer tellement ton service est nul. Mais va te faire foutre, t'as vu la gueule de tes burgers? Va te faire foutre. Ils sont dégueulasses, tu mets 8h30 pour faire une merde que quelqu'un mange en 1 seconde 5. Tu les manges tous les midis, tu chiales tellement. Mais putain, j'ai une chiasse tellement c'est dégueulasse. J'espère que tu viens du sud. C'est une attention, mon pote. Ok, qu'est-ce qu'il y a, chef? Pardon. Ça va mieux ou pas? Ça fait du bien d'extérioriser un peu. Alors, je pense qu'il faut qu'on fasse un point sur ce qui allait ou ce qui allait pas, je pense. Ce qui allait pas, c'est la cuisine qui vient directement en salle. Non, je pense qu'en vrai, c'était pas si mal pour une première run. Honnêtement, c'est pas si mal. Ok. Ok. Et Bitel, un truc que tu pouvais pas savoir, mais tu peux reposer les items. En gros, si t'as ramassé un œuf et qu'il l'a pas encore préparé, tu peux le remettre dans le truc des œufs. Et pareil pour la viande. Et pareil pour les pains. Bah oui, mais... Donc ça évitera les blocages. Et pour la salle, toujours préparer à l'avance et servir deux par deux d'un coup et débarrasser les salles tout de suite. Parce que les gens attendent dehors et c'est ça qui tue. En fait, Onutrem, c'est trop le professeur qui attend que tu te viandes comme une merde pour te donner le conseil. Après, il a raison. En plus, c'est, comme tu dis, c'est un roguelite, c'est le principe possible, tu vois. Donc c'est marrant. Par contre, c'est trop drôle parce qu'il y a plein de gens dans mon chat qui disent « Putain, je peux tellement relate ce que tu dis sur l'ambiance. » Tu sais, dans les restos, parfois... Bah, en fait, l'ambiance, souvent, entre la salle et la cuisine... Ça peut être un peu tendu, tu vois, selon parce qu'il y a des mésententes, oui, parce que il y a de l'attente, parce qu'effectivement, souvent, effectivement, quand t'es en salle, t'as la gueule des clients qui sont pas contents, donc t'en prends plein la gueule, tu vois. Et ça me fait trop rire. Le retour direct en plus avec le chat, ça. Ça me fait. J'ai pas eu mon quatrième burger. Emdal est outré, genre vraiment. Excuse-nous, moi. Mec, déjà au moins t'en as eu 3, mec. Certains clients en ont eu 0, donc finalement. Et du coup, la dernière astuce que j'ai, je pense qu'après on va gagner direct. De toute façon, après c'est full win, la run est win. Ah, mais là c'est gagné, mec. Vous mettez l'assiette avec la recette directement sur la table, mais sans prendre la commande. Et comme ça, vous prenez la commande. Oui, voilà. Avec le deuxième truc en main, ça permet de tout servir d'un coup. Mais là, ça, c'est plutôt broken. Mais c'est vrai que normalement. On change de recette ? On peut. Mais c'est vrai que normalement, vraiment, la plonge, c'est pas dans la salle, hein.
On peut la faire. En vrai, on peut la faire aussi. Ou alors, on prend qu'un seul serveur. Est-ce qu'on a besoin de deux serveurs? Je sais pas, on verra. En vrai, moi, j'ai bien envie de tenter les raviolis. Les raviolis, c'est très dur. C'est un peu Dark Soul-like, mais on peut. Okay. Franchement, on parle, je pense qu'on concernant peut. Alors, attends, la salade. C'est très facile, la salade. C'est plutôt débutant. On parle, c'est on plutôt late game aussi, mec. On peut aussi. Oh la vache. Oui, c'est plutôt chaud. Oh la vache. Hot dog. En vrai, les gars. Les hot dogs, c'est plutôt dur, mais ça peut le faire en vrai, avec la salle. Moi, je suis prêt. En vrai, les gars. Oui. En fait, je veux bien que vous me le dites ou pas, mais j'ai vraiment l'impression d'être. Soit que mon volume est méga low ou pas, mais j'ai l'impression que, genre. Oui, t'es un peu méga low, mec. J'osais pas le dire, mais. En vrai, on t'entend pas super fort. On t'entend pas forcément super fort, ouais. On t'entend pas fort. Moi, je vais monter un peu. Je vais monter ton son sur Discord direct, en vrai. Moi, je vais le baisser un peu pour le coup parce que. Et je vais. Ah ouais. C'est-à-dire. Et je vais décoche, recoche comme d'hab, tu vois. Oui, c'est pas bête ça de faire ça. Vas-y, tu peux parler Wingo pour test. Ouais, ouais, bah j'ai augmenté un peu de mon côté aussi, mais je sais pas vrai, si c'est. Attends, ouais, mais non, mais c'est mec, t'es à. C'est vrai que t'es plus faible que d'hab, mais. T'es à 180 et t'es même pas si fort que ça, c'est trop bizarre. Ouais, ouais, ouais. Un peu faiblard, Wingo aujourd'hui. Je sais pas comment gérer ça. Ouais. Ben là, c'est déjà mieux. On mange. Ouais, ouais, ouais. Là, moi, c'est mieux. Moi, je t'entends mieux là. Et moi, ouais, ça va mieux, ou c'est pas mieux, c'est mieux, c'est ouais, mieux. Oui, toi, Onu, t'inquiète, j'étais baissé, bien. Ah, ok, tu m'as baisé, super, bah, c'est sympa, mec. Non, baissé, non, mais mec, tu fais exprès de pas comprendre. Mais... Après, si tu veux que je baisse, dis-moi. Mais encore une fois, vous êtes déjà en train de prendre le bec alors qu'on est même pas dans la game, les refs, non. On parle de sexe, ici. Hein? Ok, go, moi, je suis dans la room de commencer. Alors, pour nous aider, je peux prendre un ou deux bonus qu'on va amener avec nous. Non. Sans bonus? Ouais. Non, mec. Et ben, on y va direct, allez, c'est parti. En fait, c'est pas parce que Ponce et moi on est tout récent sur le jeu qu'on a besoin de bonus en fait. Genre, enfin. Après, c'est un roguelite, c'est un peu le principe. Mais... ouais. Après, c'est comme vous voulez. Hein. Ça reste un peu le principe, tout, mais. Qui prend tout trop. Alors, oh, la taille du truc. Ouais, j'ai pris un giga resto là. J'aime bien. Oui, non, c'est bien. Non, mais oui, ah ouais, okay, ouais. Okay. Non, on fait la plonge à l'intérieur. On arrête de faire. Genre, regarde. Tu fais. Mais parce qu'en fait, la plonge à l'intérieur. Enfin, ici, genre, c'est honteux. Les clients, ils sont en mode. C'est honteux, d'accord. Mais c'est honteux. Mais t'as vu, c'est quand même à 2 km, donc en vrai, ils voient pas. C'est vrai que je me dis là, un petit setup de plonge. Mais regarde là, en mais vrai, pas mec, être trop loin non plus. Non, mais là, t'as un petit KGB de merde là. Non, mais mec. En vrai, les gars, par pire ennemi du jeu. Tu le mets dans la chambre d'Harry Potter, tu vois. Non, mais en vrai, les gars, par contre, pour la plonge, genre, c'est assez intense pour la plonge. Faut vraiment qu'il y ait quelqu'un qui soit uniquement là-dessus parce que. Alors, dans ces cas-là, tu mets la plonge là-dedans, du coup. Comme ça, non, c'est okay. T'es ultra. Ouais, mais non, parce que tu dois passer les portes à chaque fois. Tu vois, genre, il y a peut-être ça qui peut être pas mal, non? Mais c'est horrible. Bah, en fait, c'est trop loin, long, je pense. Vous aurez jamais le temps d'enchaîner. C'est loin. Ouais, non, en fait, le truc, c'est que. Okay, par bah, expérience, il faut que la plonge soit plus proche de la cuisine. Ah oui, bien sûr. Bah, les vaisselles. Ouais, bah là, hein, voilà. Ok, alors tout ce qui est ketchup. Et du coup, c'est une immondice, quoi. Enfin, moi, je suis. On peut la mettre directement dans la cuisine, si vous voulez, la vaisselle. Ouais, mais enfin, j'ai pu voir dans la game d'avant que. Vu comment c'est intense, on peut pas, hein. Moi, je propose, on le met, genre. Coller à la porte. Ouais. Hop, voilà. Coller à la porte. Comme ça, au moins, tu vois, ils ont toujours un petit. Tu sais, le temps d'attente, hop, ils peuvent passer un petit coup de bigophone à sa famille. Après, là, au moment où on va lancer la game, le téléphone va disparaître, du coup. Parce que là, regarde, avec le petit logo de poubelle. Tu vois le petit logo de poubelle au-dessus, là? C'est pas vrai, y a pas de. Pourquoi vous avez jeté mon téléphone? Hein? Mon modem, là? Mon modem? Alors. Mon modem? Je te jure que si à un moment dans ta vie, t'as eu un modem comme ça. C'était pas un modem, frère. Bah, téléphone avec le rond, là, tu sais, tu mets le doigt dans le trou et tu tournes. Hein? C'était pas un modem, c'était un téléphone. C'est un téléphone, mec. Oui. Bah, du coup, bah oui, mais du coup, c'est pas un modem. Et alors? Et alors, mec. Bah, t'as utilisé le terme de modem, du coup. C'est comme si je te disais. C'est comme si je te disais. Je la mets où cette sauterelle, là? Là, la sauterelle. C'est un frigo. Mec, hop, je te la mets ici, la sauterelle, ok. C'est très bon pour la santé, les sauterelles. Enfin, ça se mange. Hein. Mais quel est le rapport? Aucun rapport, c'est un frigo. Bah, non, mais. C'est ça le truc, en fait. Après, on pourrait accueillir les clients aussi, tu vois. Enfin, oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Qu'on est bien, là. Oui, je commence. Alors, bah, oui, ouais, on est bien. Il faut savoir que pour les petits hot dogs, la particularité, c'est que les gens, des fois, ils demandent du ketchup à leur table. Les gens, quoi? Bah, ils iront se faire foutre. Du ketchup. Ok, il faut leur mettre du ketchup en plus de leur plat à chaque fois. Et ça, ça va mettre les ketchup après à la porte. Okay. En gros, t'as un double truc hôte. Ouais, ils ont plus de boulot dans la salle. Non, mais ça va. Le nom du resto, les gars? Posé dans le club? Dans normal. Posé dans le hot dog? Posé dans le bun? Posé dans le bun, normal. Avec la moutarde et le ketchup qui danse pas.
Le buns, ça s'écrit comment? B-U-N-S. B-O-U-N. Moi je suis prêt. S-E. Le buns. Ah, vous posez dans le bones. Tu as posé dans le bones. Normal. Posé dans le. Ah ouais, vraiment? Non. Ah, je sais pas, je sais pas. Je suis pas sûr, après on peut inventer. Hot dog chili peppers. Ça rentre ça? Je suis pas sûr que ça rentre, mec, mais en vrai ça se tente. Ça rentre. Pourquoi il y a des lignes rouges? C'est Wingo qui s'impatiente, il est en crise de colère. Putain, j'ai eu une inspi de fou sur le hot dog chili peppers quand même. Moi je suis prêt. On attend le nom. Ah oui, c'est vrai, on n'a pas le nom. Voilà, c'est bon. Le hot dog chili peppers. Hot dog chili peppers. Et c'est parti. Pas mal. Go! Let's go. Ok. Moi, du coup, je fais quoi? Bonjour. On fait ça, chacun fait son truc et gère ses trucs. Ah, okay, faudra qu'on mette les assiettes à gauche. Est-ce que je vous sers? Oui, bien sûr, hot dog. On gère chacun notre feu et voilà. Bah ouais, je suis d'accord, ouais. Bien sûr, tenez ce hot dog. Qui sont les clients qui veulent venir? Oui, venez. Oh, la musique détente là. Allez, trop bien la musique du jeu. Oh. T'es là, t'as envie de vibrer. Aide-moi à nettoyer ce caca. Oui, bonjour. Dès que tu peux, qu'est-ce que je vous sers? Attends. Oh, oui, c'est bon, bien sûr, deux hot dogs. C'est énorme. Un. T'enchaînes. Deux, bien joué. Enchaîne, il faut qu'on enchaîne. Nous, on en fait un infini. Vous avez full hot dog déjà hein, qui sont dispo. Vous pouvez vraiment. Ah, il a le ketchup. Il a pas le ketchup, ouais. Hop là. Hop. Tu me permets d'appeler un peu parce qu'on a besoin de thunes pour le début de game, c'est très important. Hop. Je prépare les petits pains déjà. Tac, tac. Et ils veulent du ketchup, pour se le ketchup. Attends, j'y vais. Ah oui, il est là le ketchup, pardon. Même s'ils en demandent pas en vrai. Ok, directement la graisse, ça dégage, hop. On est bien, nickel. On est bien ici en cuisine. Là, on a full hot dog déjà de près, donc vraiment. Ouais, regardez les hot dogs. Là, vous pouvez être tranquille, les refs. Putain, je sais pas comment faire. Les hot dogs de Red Hot Dog Chili Pepper, c'est les best. Merde, c'est cramé. Ah, oh, t'as fait cramer ça, bro. Ouais. J'arrive pas à poser le hot dog. Mec, ça va, on en you a one jump, bro. J'arrive pas à poser le hot dog, qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est parce que j'ai fait ça parce que c'est un peu la panique là. Tiens. Ah, pardon. C'est un peu la panique en salle. Attends, ton hot dog il a failli cramer, frère. Oui, je suis désolé, bah c'était critique. Non, mais viens pas, Onu. En vrai, viens pas. En vrai, viens pas, je te jure que non. Ah bon, ok. Oui. Je te jure. Il faut que tu prennes l'assiette. Bouge de là, vraiment, c'est. Voilà. Merci beaucoup, mec. Mais vous êtes sûr parce que ça a pas l'air de bien se passer là. Si, c'est très bien. Ah, game over. Game over, bah bien joué à tous. C'est un super service. On avait une vie en plus, c'est ça? Non, c'est qu'en vrai, dans les 3 premiers jours, ils nous laissent recommencer. Ah oui, ok. Allez, on recommence. Attends, mais pourquoi on a fait un game over là? J'ai pas capté. Parce qu'il y avait des gens qui étaient en train d'attendre. Putain! Ah oui, mais attends, il y a deux tables en fait dans notre resto. Par contre, je suis désolé. Ce jeu est mal foutu. Ça enchaîne pas assez. Non, je suis désolé, c'est mal foutu, mec. Nous. Avoir des gens dehors, c'est gage de succès, donc. Ouais. Genre, désolé. En dehors de ça, faut pas qu'on appelle des clients parce que genre ça nous met trop dans la merde. Ça nous met dans la merde. Ok, j'appellerai plus. Non mais vraiment ça nous met trop. Mais ça fait quoi d'appeler les clients? En fait, ça nous donne de l'argent. Mais tu t'es pris pour être chenest en fait. Voilà, c'est tout. Ouais, mais bon, pour tourner un business, j'ai calculé la marge, mec. Il faut appeler 2-3 personnes. Mais frère, c'est pas des marges là, à ce stade-là. C'est catastrophique. Ouais, ça va le faire, je pense qu'il y a un problème d'optimisation. J'en sais rien, peut-être que ton deuxième prénom c'est Picsou, mais le but n'est pas non plus de faire 4 millions par jour, tu vois. Enfin, c'est... Ok. Le ketchup en bas. En vrai, peut-être faudrait coller le ketchup aux tables carrément. Hein. Bah. Ouais. Genre, attends, ketchup là? Attendre, c'est mourir. Bah, vous êtes top. Attends, mais on fait ketchup là et on sort celle-ci. Onu est fan. Attendre, c'est mourir. Du tryhard. Mais quoi, j'ai le droit d'appeler, c'est le beau jeu. C'est le beau jeu, en vrai c'est le beau jeu. Moi je suis prêt. Hop là. Mais j'appellerai un peu moins, promis. Ah, on n'a pas notre cuisson, Bitel. Hein, qu'est-ce qu'il y a? On n'a pas nos cuissons. Bah si, elle est là, elle est là-bas. C'est un peu loin. Bah si, elle est littéralement l'opposé et on pourra pas du tout l'utiliser, mais c'est pas... Ça, c'est non, okay, je pense que c'est pas mal fou. Là. Oh non, il est rentré dans la cuisine lui. Non, je sors. tu nous as dit, rentrez pas. Ah, et c'est ma cuisine, hein. C'est ta salle. Voilà. Et par contre, vous laissez le casier là, mais il sert un peu à rien, non? De quoi? Le casier là. Est-ce qu'on peut vous prendre une table de plus ou pas juste? Des planches. Ouais, prenez des planches. Après, si vous avez besoin de. Le casier, c'est quoi? On le met là, hop, voilà, et voilà. Ça Tu vois, parce que la réalité, c'est que cette porte, on va pas s'en servir, et ici, on peut mettre des assiettes sales si on n'a pas la place. Tu vois, regarde, on fait. Oui, mais dans ce cas, colle à l'évier pendant.
Ouais, mais ah, on s'en sert pas de. Ok. Petit coin secrétariat là. Vas-y. Voilà. Oh, normalement, ouais. Non. Ok. Tac. Tu vois, regarde, un petit peu de déco, c'est un peu sympa. Tu vois. Non, c'est bien. Et t'as vu ce que j'ai fait, Bitel? On a chacun accès comme ça directement à nos trucs. Ah, mec, t'es un crack. Ah, c'est optimal, crack. C'est optimal, mec. Putain, mec, t'es trop génial. Tac, 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 tac. Ouais. Optimi, optimal. Optimus Prime. Optimal Prime. Hein? Moi, j'y crois. Moi, je pense qu'on peut réussir une complète. C'est parti. C'est parti, bon courage. Ah merde, j'ai pas rename. Attends, je rename. Vite, bah, t'es sûr que c'est le moment là? Hot dog. C'est pas dit tout le monde. Hot dog, chili, peppers. I got this. Yeah, I know my bro. C'est bon. C'était Coco, il voulait juste un peu de ketchup. Coco. Okay, Coco. On a déjà, on en a déjà 4. C'est good, c'est good, c'est good. Ouais, on peut faire quelques-uns. Everything is under control. J'ai l'impression que des fois il y a du lag, c'est un peu bizarre avec les boutons. Ouais, je pense peu, que ouais, comme on est nombreux. J'avoue qu'à deux ça se ressentait pas. J'avoue qu'à quatre un peu plus. Oui, tout à fait, ouais. Bien d'accord avec ça. Oh, la quantité de gras. Ah ouais, mais ils savent pas bouffer aussi, c'est trop grave. Non, pour acheter des objets pour nettoyer les salles et tout. De fou. Je t'aime bébé, moi aussi, je t'aime. Ouais, je la lave, t'inquiète. À la limite, tu vois, c'est le genre de truc que tu peux faire de juste. Ah, tu me la drop. Tu me la drop dedans et je m'en occupe ensuite, tu vois ce que je veux dire, mon gars? Ouais, je vois ce que tu veux dire, mon gars. Ok, ok, alright. Vous en sortez comment sur 10? Là, 20. Ok. Okay. Ah, c'est un joli 10. Ah, vache. C'est un joli 10. J'appelle que deux fois, j'appelle que deux fois, ça va le faire, ça. Arrête d'appeler, mec. Non, mais ouais, mais il a dit 20 sur 10. Ah oui, mais du coup, enfin, du coup. Putain, je leur ai mis du ketchup, ils sont partis en mode on veut pas de ketchup, quoi. Je te jure. Pardon. Pas de ketchup. Non, je te remets là. Ketchup ou pas ketchup? Ok. On s'est pas mis d'accord, bro. J'ai encore envie d'appeler là, j'ai. Non, y'a plus mais personne. Mais arrête de vouloir appeler tout le temps! Et tu vas nous mettre dans la merde, hein! Non, ils mais sont un peu longs, ils mettent un peu de temps. Je leur ai dit pourtant, mais. Est-ce que premier degré tout à l'heure, on a pas perdu juste parce que t'as appelé en vrai? Non, mais si, 100%, c'est sûr. Non, mais si! En fait, vu qu'il a appelé tout seul, le chacal! Le chacal! Et. En plus, elle débarrasse pas l'assiette, donc elle est pas rentrée. Bon, sinon, tu veux pas faire m'aider à faire des hot dogs plutôt que de faire des relations Tinder là, bizarre Non, mais en fait, le truc, c'est que moi je discute avec les clients parce que là, il a attendu 2 heures le man. Oui, bien sûr. 2 heures, non, mais ça va pas la tête. Non. Tu peux juste nous dire que t'avais envie de pécho le client, c'est pas grave, hein, ça non, arrive. Et hein. En plus, bon, Bitel, tu nous fais 47 hot dogs, mais y'a plus personne. Oui, bah écoute, au moins on aura à manger. Oh, les tâches de gras derrière la cuisine là, j'ai tout vu, hein. Non, mais j'ai tout vu en tout cas. Oh, les gars, la cuisine, faites un effort, quoi, s'il vous plaît, quoi. Ah, c'est. Moins de hot dog et plus de propreté. Le bureau de réservation va, ici. Mec. Bon, c'est bien. En tout cas, hot dog chili pepper, c'est en train de prendre grave. En vrai, sur Insta, on a pris 4000 followers en une journée. Oh, un resto qui prend 4000 followers en une journée. Étoiles sur The Fork et Tripod Vizier. Hop là. Et Tripod Vizier, t'es sûr? Ah, mais le buzz. Oui. Le buzz de fou, en fait. Le vilain buzz. Est-ce que vous voulez des assiettes en plus? Non. 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 En vrai. Ça coûte que 15, c'est comme vous. Bah. Mais pourquoi tu pushes le secrétariat? C'était très bien. Parce que j'aime bien passer là. Mais. Ouais, je sais pas. Moi, j'ai pas l'impression qu'on ait besoin d'assiettes là. Après, et ça reste. 9 clients. 9 groupes, pardon. Après, en vrai, honnêtement, un peu plus d'assiettes, c'est pas forcément déconnant. Ok, mais bah go alors. Jamais déconnant. Ok, bah go. Je pense que prendre des assiettes, c'est cool. No joke. Ouais, je veux dire, c'est TripAdvisor. Est-ce que si jamais on rejoue la prochaine fois, on peut reprendre notre save? Oui. Ah, c'est pas mal ça. Bien sûr. C'est pas mal. Bien sûr. Bah, ça aurait pu être en mode non, c'est une game. Tu ne peux pas sauvegarder. Je sais pas. Évidemment. Bon, est-ce qu'on achète des assiettes? Et tu dois allez, go. Ouais, tu les prends. Bah, tu achètes. Il a acheté le jet. Mais par contre, j'avoue, premier degré, tu rentres dans un resto et genre c'est immense et t'as 2 tables de 2. Tu te casses, non? Non, franchement, ça inspire confiance. En vrai, moi je me casse, mec. Mais genre, t'imagines, tu parles, tout le monde t'entend. Enfin, genre, t'es en mode. Et en plus de ça, je vais faire pipi! Tout le monde me regarde faire pipi! Et en plus, ouais. Et en plus de ça, les 2 tables sont. C'est genre vraiment. Il y a que des hot dogs à manger. Voilà, je voulais te dire, je voulais te parler d'un truc super perso. Donc, je t'ai amené au resto pour ça. En gros, bah, tu sais, le problème, c'est que les problèmes que j'ai autour de mon anus, c'est en train de s'aggraver. Donc, c'est vrai que je dois manger beaucoup moins épicé. Bon, je vais faire caca, j'arrive! Quel quoi? Oh, ils auraient dû mettre les toilettes. C'est bon, j'ai fait caca!
Au lieu de ses toilettes, ça aurait été masterclass. Bah oui, c'est horrible. Genre, il manque les chiottes en vrai. Ah, il manque les chiottes. Bah, les chiottes sont là. C'est un élément de gestion. Par contre, dans... Arrêtez, cette phrase n'existe pas. Il manque les chiottes. C'est... Non, c'est pas dans ce jeu. Je pense. Bah, en vrai. C'est un élément de gestion dans un restaurant qui doit être galère. Arrêtez. On est déjà en train de nettoyer de la graisse tout le temps. Si on se met à nettoyer du caca et du pipi partout, c'est chiant. C'est un travail. Les gars, est-ce qu'on peut passer le jour 3? Bien sûr, on y va. On attend Bitel, on va y aller. Et Bitel n'a pas la touche Y sur sa manette, je pense. Non, je ne l'ai pas. Ok, je commence à préparer ça, je vous mets ça là. Hop. Wingo, s'il te plaît. Hop. D'accord. Hop. Là, directement les doubles dog ici. Je pensais pas que ça allait être simple. Hop, qu'est-ce que... Voilà. Tu peux y aller, j'apporte le deuxième. Ils vont demander du ketchup, ça se voit. Ça se voit. Ok, ils veulent pas de ketchup. Je dis pas si ça se voit, sa gueule, lui. Putain. Et pose à côté, ouais. Nickel. C'est bien, c'est top. On a beaucoup de dogs d'avance là. Je suis bien là, non? C'est super, c'est exceptionnel, vraiment. Qu'est-ce qu'il fait? Mais monsieur, rentrez! Monsieur Porc! Monsieur, rentrez dans votre cuisine! Arrêtez! On n'en peut plus, monsieur. On souffle. Nous soufflâmes. Y'a un loyer à payer à la fin du mois. Non mais putain. Vraiment le bug est beaucoup trop pragmatique, genre. Alors en fait non. Parce Coralie, Chani. Ok, une rue herbive. Ok, je vois très bien. Ketchup là, madame là. Non mais tenez, prenez votre ketchup, fermez là. Ok. Ah bon, ça se passe en vrai. Ah attends, ils veulent pas des trucs en bas. C'est bon, vas-y. Ouais. Ok. Non, il s'est passé de la dingue. Okay, on part, désolé, hein, ça fait pas du bon travail, ça. Il faut un dog. Bien joué. Il y en a sur les côtés, n'hésitez pas à les prendre et les mettre sur les assiettes en vrai. Ouais, drop là à côté, voilà, nickel. Ça, c'est bien. Et t'inquiète, je gère ça. Ah bah tiens, amène-la. Attends, j'arrive. Ok, bah non, c'est bien sûr. Il va vouloir du ketchup. Beau que les miens, t'es au dedans. Non, même pas, il s'en fout. Putain, il veut pas de ketchup. Putain, c'est exceptionnel. Casse les couilles, il veut pas de ketchup. Merde, casse les couilles, sérieux. Ok, vas-y, go. Quelqu'un veut manger ma saucisse. Re-rentre avec ta saucisse là, c'est bizarre, mec. Là, vous avez juste posé une saucisse, il manque du pain. Oh, ça arrive, c'est bon, la ferme là. Bien joué, hein. Bravo, non, c'est une belle journée, on peut s'applaudir. Bravo. C'est important. Non, franchement, c'était une belle journée, bravo les gars. Moi, c'était... Non, mais franchement, belle saucisse. Quoi, c'est une belle saucisse. Belle saucisse. Alors, l'évier évolutif. J'aimerais bien voir. L'évier. L'évier, il ferait plaisir, ouais. Après, ça vous ferait deux éviers. Est-ce qu'on fait comme McDo et on rajoute des pastilles anti-vomitives en dessous? Les fameuses. C'est pour savoir, hein. Est-ce qu'une table en plus? Moi, je suis d'accord pour vous acheter une table. Oui, moi aussi. J'achète la table. C'est juste une recommandation, mais. Bah, je pense que le mieux en fait, c'est de décaler peut-être ça d'un cran, d'avoir ça peut-être. Je pense qu'il là. Faut que toutes les tables soient à équidistance du ketchup. Du ketchup. Ah, mais là vraiment c'est. Là. Ah, merde. Ouais, mais là par contre, mon pote, là ils sont serrés comme des sardines quoi, c'est. Voilà. Bah. Vraiment, le moment où le mec lui fait la demande en mariage, c'est lui qui répond quoi. Enfin, c'est catastrophique à ce stade-là. Oui, non mais pas toi, oui mais quand même. Ok. T'imagines. Là on est bien, on a. Là c'est bien, ouais. On fait des tables de deux parce que pour le moment la taille de notre groupe est grand maximum de deux. Donc pour le moment on fait des tables de deux. On verra plus tard bien sûr qu'on pourra accueillir des coupes un peu plus grands. Non mais ça me semble bien. Ouais, en vrai, ce fait resto 6 clients. Et... C'est, honnêtement ça fait 6 clients mec, va falloir qu'on charbonne là. C'est voué au succès je pense ce resto moi personnellement. C'est bon, hop, j'ai là, mis je suis prêt. Premier. Moi je suis prêt. Vous êtes prêts? Vous êtes pas prêts? Ouais, il manque que... Oh mais Wingo il a pas le bouton Y ou quoi Wingo? Oh là là, oh oh oh. Ça c'est quoi ça? Ah oui, il y a d'accord. Okay. En bas. Non, il y en a deux. Non, c'est bon, on est bien. Regardez, vous en avez deux là. Une ici. Pardon. Une ici. Je comprends pas ce qui se passe. Pardon. En plus, ça fait un V. Le V de la victoire. Vous non, c'est bien là, c'est bien, ouais. On achète pas l'évier du coup On le gardera pour plus tard. On a un évolutif, c'est tellement mieux. On a besoin de garder de l'argent. Ouais, on a besoin de thunes. On a dit, bon, on est bah, prêt. Go prêt. Moi, je suis prêt. Je suis prêt. De toute façon, go prêt. Là, c'est parti, on a la saucisse. Bon courage, la team. On peut déjà faire ça. Bon courage, l'équipe, ça va bien bon se passer. Bon courage. Oh là là, c'est des synchros avec Pampin. Hop là. Ok. Vous savez que ça alors c'est que un Hugo jeu Boom bien, et le nez. Bon, vraiment. Calme, on s'est retrouvé à aller regarder. Calme.
100% je Zilan. Tu prends la commande en bas ? C'est confirmé. Non, mais mec, ce jeu sur la Zilan, c'est une dingue. Ah bah, je pense que c'est trop stylé. Bon bah écoutez. L'entertainment serait au maximum. Zerator ! Ça se passe comment ? Zerator ! Ok. Attention, hein. À tout moment. Ok. On est en train de charbonner, hein. Tellement focus là. Ok, on a nettoyé, on est bien. Okay. Je sens qu'il y a eu, une augmentation de productivité non, bon. Assez élevée là. Qu'est-ce que tu fais? Bah, vous voulez de l'aide ou pas? Avec le chef ultra creepy. Il est bizarre ce chef, vraiment, je vous jure, il est bizarre. Il est un peu chelou ce chef. Vous faites quelque chose. Bah, pourquoi pas. Jeanne. Allez où, Jeanne? C'est pour moi 4 heures. Hein? De quoi tu fais? L'assiette sale? Non. J'adore manger des trucs sales. Pardon. Le chef juste me gêne en fait. Volontairement. Le chef est juste gênant. Moi en train d'enchaîner tous les hot dogs et lui en train de lécher des assiettes sales, j'ai envie de crever. Hein. Le gras sur le sol, faites un effort, bonhomme. C'est sale, le resto est sale. Bah lavez chef, lavez, c'est bien. Merci chef. Lavez chef. C'est sale. Putain mais... dégueulasse. Oh Réville, sérieux. C'est bloqué. C'est très désagréable ces clients de mort, hein, sérieux. Le pire mec. Vite, le ketchup. Il veut un ketchup. Hop. Ça va, tu t'en sors en cuisine, Bitoul? Bah, t'es tout seul, mec, hein. On est tout seul, donc c'est énorme. Franchement, ça se passe. C'est très bien joué de la part, il est fort. Imagine un resto qui tourne de fou, là. Et t'es seul en cuisine. Ah, ça me semble un peu compliqué. Entre les deux, c'est exceptionnel, c'est trop marrant. Soit les hot dogs moutarde, et les clients peuvent commander de la moutarde tout en mangeant des hot dogs, donc ça veut dire qu'il y a les moutardes à gérer en plus. Ok. Ou alors de la glace, et en vrai, c'est plutôt facile. La glace est plutôt simple. Mais du coup, c'est après. Proposer trois parfums, ok. Après le hot dog, ils vont nous gratter de la glace. Dessert, du coup, donc, ouais, voilà. En fait, ils te refont une commande, ils veulent un dessert. Ah, vas-y, go, c'est bien. Ah ouais. C'est bien, non? Ou la glace. La glace, du coup, vraiment? Ouais, ouais, on peut. On n'a pas à la préparer, en fait, c'est des bacs de glace. Oh, ok. Ça va assez vite, c'est les serveurs qui s'en gèrent, nous. J'arrive, ça parle de lécher des assiettes sales. Non, mais c'est pas. Non, mais c'est le chef au nous, il est un peu chelou. Non, vous inquiétez pas, c'est son doublement de personnalité, vous savez, il est un peu. J'ai un avis qui a été posé sur TripAdvisor. Ah. Le service était pas mal, les bruits de la plonge qui résonnent dans toute la salle sont un peu gênants. J'étais en train de discuter de mes fissures anales à mon partenaire. Heureusement que le docteur situé à l'opposé de la salle m'a aidé pour résoudre le problème. 5 sur 5, tripode, vésir, je reviendrai. Bon, c'est bien, ça fait plaisir. C'est cool. C'est cool. Ah, c'est carré. Franchement, c'est carré. C'est cool. Ah, vous êtes plus pour les hot dogs moutarde, alors, vous alors, moi, je suis plus glace. Oui. Moi, je suis plus glace. Je vous ai entendu sur la table d'à côté pour vos fissures anales. Je vais vous recommander ce traitement. Hein. Attendez, mais je vous montre. Regardez l'effet que ça a fait. Non, mais regardez, en fait. Moi, regardez, en fait, tout simplement. Avec ma femme. Regardez, ça marche super bien. Hein. Ça a bien cicatrisé. Ah. L'enfer. Ah, je crois qu'on peut pas avancer tant que Bittel a décidé de prendre les hot dogs moutarde. Je suis désolé, Bittel, mais. Ah merde, pardon, excuse-moi. Non, on va prendre des glaces. Un truc avec les menus et tout. Bittel. Hein? Bittelu. Ça va le faire à force, hein, mais. Mais ouais, ça tu va. Tu vois, là, par exemple, faut appuyer sur. Ok. Non. J'avoue, on peut pas faire en sorte que le chat puisse voter pour les alors, améliorations. Si, mais quand tu auras. Si, ça marche okay. Totalement. Table alors, pour manger et bureau de recherche. Le truc, c'est que pour l'instant, il y a que les hot dogs. Mais plus tard, il y aura plusieurs recettes différentes et les gens, ils pourront faire genre order 1, order 2. J'ai un équipe, si vous voulez. Pas mal. Alors, j'avoue que pour l'instant, c'est activé que pour les subs. Après, je peux changer pour tout le monde. Bon, ça peut être pas mal pour tout le monde. L'évier en vrai intéressant, non? Oui. Du coup, pour l'évier non, pas encore. Enfin, attendez, non, il y a un truc trop important à faire ici. Après, on pourra faire ce qu'on veut. Le bureau de recherche pour améliorer le bureau de recherche. On peut pas ça, mettre ça là, on va. Non, mais mets-le dans un petit KGB, non? La glace? Voilà. Non, c'est trop cher. Ils vont en demander à chaque fois quasiment, je pense. Le bureau de recherche, le bureau de recherche. Et la glace, ça fonctionne comment? Non, j'ai besoin de le mettre là parce que. Non, c'est mieux que ça soit là parce qu'en fait, on va le faire direct et après, je peux revenir à la cuisine. La glace, ça se gère comment? Bah, on va voir. Hein. En vrai, aucune idée. En fait, comment tu sélectionnes le parfum? Putain, l'enfer. Ah, y en a quelqu'un qui me dit que tu parlais des malus que les gens puissent choisir. Ça, non, c'est que les commandes, mais pas les malus. Bon, bah, je suis prêt. Comment ça fonctionne pour la glace et les on va voir, parfums hein. Comment tu sélectionnes le parfum que X t'as besoin pour ouvrir les bacs, changer les bacs et A pour prendre le truc du bac ouvert. Celui que tu veux, ok. Très bien. Et putain, en fait, des fois, il va falloir faire 3 boules. Des fois, ils vont demander une jaune, une rose, une chocolat. Donc, t'arrives devant, tu es Y. Non, et tu dois mettre ça dans une assiette du coup ou pas? Non, mais on peut pas mettre ça là en vrai.
Il faut mettre ça là, du coup. Oui. Vous pouvez mettre ça là, c'est bien en vrai, ça me va. Voilà, pourquoi pas en ça, bas là. C'est ça, bien. Non mais attends, tu veux pas, attends, tu veux pas la porte. Ah mais non, on peut pas modifier la porte. Oui. Non, je veux. Tiens, regarde. Non. Non, il faut que je passe. Putain, il faut que je passe. Mon resto quand même. Moi je vais passer. Mon resto. Comment ça, c'est ton resto? J'ai payé. Bah on a tous payé, chacal. On commence la journée. D'accord, voilà, change de sujet, t'as raison. Allez. Moi je suis prêt. Ok. Où est Bittel? Mais ils vont bien les deux là? Ils sont mourir. Prêt. Mais j'ai pas mon commis. Prêt. Mon commis. Mon commis. Prêt. Commis-san. Y'a mon commis. Un commis. Initial D, incroyable. Herbie, bien sûr qu'il revient. Déjà vu, I have been in this place before. I on the street. Na. Alors, ketchup. Oh, belle. J'adore courir vers le hot dog. J'ai envie de manger une glace. Ah, oh non. Glace, okay. Les trois, tu le fais? Frère, t'abuses de fou. Oh, pardon. Ah, c'est comme ça que ça marche. C'est okay. Le crawler originel, hein, je vous jure. Mais ah, non. Pourquoi t'as fait cramer le steak haché Vittel? Ah, bah, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de vaisselle du coup avec la glace. Oui, ça, oui, ça c'est pas mal. Oui, ça c'est bien. Tâche de graisse. Tu veux une saucisse? C'est du double hot dog. Du double hot dog carrément. Mais... putain, le mec veut deux saucisses. Putain, c'est un gourmand celui-là. Deux fois plus de saucisses. Ah oui, petite info, si vous mettez des trucs sur les tables, les gens ne peuvent pas rentrer. Ah oui, d'accord, ok. Donc on peut pas pré-shot comme ça. Ok. Attends, okay. Y a une assiette propre et une assiette sale là, ouais. C'est quoi cette histoire? Il y a deux assiettes sales, on va. Je sais pas pourquoi il y a une assiette propre, c'est peut-être moi. Je viens faire un peu de ménage parce que c'est sale. Je sais pas, j'ai pas vu. C'est un super restaurant, on gère au max. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à décaler là l'assiette saucisse sur juste assiette, comme ça on met juste sur saucisse, comme ça on met l'assiette. Vous en avez deux qui sont ready là. Ouais, mais du coup tu peux les décaler. Bonjour. Pour mettre ready les autres, tu sais. Vous voulez que j'appelle des gens? Je sais pas ce que je veux dire. Ready player les autres? Non. En gros, regarde, allô, ça est prêt, donc tu, allô, peux le décaler pour, ouais, pour faire prêt les autres. Non, mais laisse tomber, mec. On a qu'une vie, putain. YOLO, mec. YOLO, moi, cette vie, YOLO, putain. Allô. Mec, c'était chiant. Vraiment, j'étais là, je t'en mode. Bonjour. Mais on fait déjà le truc le plus opti, là. Je comprends pas. Non, je pense qu'il y a plus opti. Ah, ils veulent une glace. Regarde, tu vois, genre là, ok. Non, tranquille. Une glace. Ils veulent une glace. Glace à quoi? Tu vas check la glace? J'ai pas check la... à... Ok, je check la glace. Vous voulez quoi? Fraises et chocolat et... Oh, fraises et chocolat, vanille aussi, fraises. On la sert en même temps. Ok, j'ai vu qu'on... 1, 2, maintenant. Bon appétit. Il y a 5 hot dogs, on va se régaler, hein, vraiment pour... 5 pour hot dogs, non, mais la journée elle est finie, ah non, ça sert, pardon, à rien. Mec, c'est que du plaise, mec. Et par contre, cette cuisine est encore une fois dégueulasse, sérieux, c'est horrible. Non, c'est pas vrai. Notre plat, les deux boules d'un mec. Les boules. Regarde. Oh, bravo. Oh là, monsieur là, qui dégueulasse. Oh, c'est bon. Oh là là, c'est nickel, regardez. Encore une fois, ça dégoûte. Et hop, voilà, pas de saleté dans la cuisine. Let's go, bravo. Bien joué. Bravo. Par contre, on n'a pas amélioré le bureau de recherche? Non. Ah oui, d'ailleurs, petite info de fin de journée, on peut attraper les trucs en diagonale. Ok. Genre là, par exemple, tu vois, je peux attraper ça. Ah, excellent. Ah oui, d'accord. C'est plus dur à faire, mais c'est pour ça qu'on aime bien bloquer les bords. Et du coup, ça veut dire, Pon, que toi, tu peux poser une assiette en diagonale en pré-shot. Ouais, c'est ça. En gros, t'as vraiment les trois qui sont accessibles. C'est ça. Ouais, c'est ça. Est-ce que vous voulez une table de plus ou ça allait? J'ai l'impression que ça allait, en vrai, déjà. Ça allait. C'est l'évier, hein, toujours. Hein. L'évier, il faut qu'on finisse d'améliorer ça. Ouais, il faut qu'on finisse d'améliorer ça, faut qu'on ait absolument le bureau double. Pour après, sachant que ça coûte 15... Ouais, non, on aura peut-être besoin de la thune après. Après, dès qu'on a du redouble, on est bon. Là, en vrai, on a 240, frère. Hein. On est blindé sa mère. Hein. Alors, on peut faire un reroll dans ce cas-là. Pour essayer d'avoir un truc un peu plus masterclass, mais... Ah, attends, vas-y. Pour relancer les plans. Ouais, il faudrait un bureau à plan. Idéalement, bureau à plan, ça serait masterclass. Vas-y, relance. Vas-y. Ça coûte de plus en plus cher, par contre, derrière. Ok. Faut laisser... Ok, yes. je suis en train de reroll. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, oh, attends. Attends, alors, on a des trucs pas trop mal, je crois. On a la station de préparation. La préparation, j'aime bien, moi. Glace, en fait, ça permet de placer, genre, on pourra placer 4 dogs sur un bloc. Ouais. Directement, donc ça, moi je suis chaud pour qu'on le prenne. Sécurisé, d'accord, ok. Je pense que ça va bien avec la recette des hot dogs. Ouais, ça va très très bien. Ouais, du coup, ouais, on va pouvoir mettre 4 hot dogs ici d'un coup. Oh, ça c'est une dingue. Mais on peut aller plus vite, on peut s'acheter des baskets pour l'équipe. Ouais, ça c'est bien.
Attends, mais par contre, s'il y a du désordre, vous êtes ralenti. Étale le désordre. Ouais. Étale le désordre en traversant. Je pense pas que ce soit nécessaire, mais. Ok. Après, moi, je sais pas, moi, j'aime bien être drippé un peu, mais. Parce que dans la cuisine, ça marchera pas parce qu'il y a trop de graisse. Là, mais dans la salle, ça peut être intéressant. C'est quand même un peu négatif, quoi. Mais, Et je suis assez d'accord avec ce que tu viens de dire pour le coup, tu vois. Donc, je suis une saucisse actuellement, frère. Donc, je pars sur les baskets là. Là, je suis en train de partir sur les baskets. Tu es une saucisse. Ça coûte combien les baskets? C'est acheté. Il a acheté. Il en a 15. Oh, c'est pas cher, 15. Bah, c'est pour ça. On les met ici. Tu les mets là? Non, bah, comme pas à la vue des clients, en vrai. Au pire, dans le placard. Ouais. Mais prenez en début de journée. Clients, et voilà. Regarde comme ça. On les de tiens, tenez, ce sont nos chaussures en plein milieu de, sous le ketchup. Miam, miam. Vous aimez bien les semelles Nike? Petites chaussures au ketchup là? Et Pon, faut les prendre en début de journée à chaque fois. Ah non, c'était pas 45. Ah, ouais, c'est ça, faudra les reprendre. Non, c'était 45. En début de journée, par contre, on a que c'est-à-dire que nous, c'est ça peut être pour ça, de start là. C'est pour 45, ça coûte rien. Non, c'était 15, les gars. Il n'y a pas de souci. Bon, bah, moi, je suis chaud pour une nouvelle journée, hein, si vous l'êtes aussi. Dans le chat qui est dans la délation directe. Bah, ouais. Let's go. Oh là là, les hot dogs. Ok, bah, moi, je suis chaud. Pareil. Moi, j'ai validé personnellement. Validé aussi. C'est bon, j'ai appuyé sur Y. Il reste Wingo. Mais Wingo, tu fais pipi? Comment vous faites pour prendre ça? X. Et y'en a qu'un. Oh, c'est Bitté qui a pris. Mais quoi? Le mec, mais le mec, t'es en cuisine, c'est toujours ça, on se fait voler. On se fait voler. On se fait voler. Va poser les chaussures. Regarde comment je vais tellement vite. On se fait voler. C'est trop grave. C'est trop grave. On a rien, c'est une cata, c'est une cata, c'est une cata, c'est une cata. Hop là. J'ai fini. GG. Ouais, GG, ça a failli être ça. À ton poste, à ton poste. Ah, je suis passé en mafia. Hop là. Trop pratique, t'as vu ça? Ouais, pas trop pour nous parce que du coup nous on peut pas poster dessus une assiette avec non, un. Par contre, tu peux prendre une assiette vide et cliquer dessus directement. Ouais ça ouais. J'ai envie de dire heureusement. Et ça c'est banger ça. C'est vraiment fou. C'est exceptionnel ce que tu proposes. Glace, ici. C'est une dinguerie. Ils veulent quoi comme je de la vaisselle peut-être nettoyant speed. Donc, c'est dégueulasse. Ça prend des libertés. Du coup, vanille, le fraise, quelqu'un fraise, a un ketchup là, qu'est-ce qui se passe? Et vanille, ou... chocolat. Y'a quelqu'un qui est pas content, y'a quelqu'un qui est pas content. En vrai, c'est bon, ça a été géré, Bon, par contre, la glace! Ils ont partout, c'est une dinguerie, hein, vraiment, hein, c'est vraiment des porcs les gens. Tiens, bouffe! Le respect. Comment dans le resto là. Ça se passe très bien, chef. Rentrez dans votre putain de cuisine, s'il vous plaît. Vous êtes bizarre. Les clients vous détestent. Non, les clients m'aiment bien. Donc aujourd'hui, non, vraiment. J'ai eu un avis tripot de visière juste avant qui parlait de manière négative du chef. Hein, mais, tripot de visière. Tripot de visière. C'est tripot de visière, d'accord. Ah, pourquoi ça a brûlé ici? Parce que t'as oublié, frère. Frère, non, moi je suis le chef. Non, c'est toi, frère. T'es là, frère, tu fais le malin dans la salle en train de regarder les clients en train de manger des saucisses, c'est bizarre. Ils aiment bien ma moustache. Oui, bien sûr. Bien sûr, ils aiment bien votre moustache, chef. Regardez, bonjour, vous voulez quoi manger? Je dis bien ça juste pour pas me faire virer. Le monsieur, il va un hot dog, vous avez vu, c'est facile. Il a son hot dog. C'est encore cramé. Ouais, ah bah oui, bah en même temps chef, vous avez rien à foutre là, il y a un moment. En même temps, gros, t'es pas devant. Oh la vilaine glace. Moment, là, t'es en train de battre les clients, tout, ça commence à être un peu gênant là, hein. Vraiment fort. Non, tu fais quoi? Alors... tu m'as. Ah non. Non, tu fais quoi? Tu le fais, hein, du coup. Bon, voilà. Oh, je suis obligé d'aller dans les options. Qu'est-ce qui se passe? Qui a pause? C'est moi, pardon. Je pensais pas que ça posait tout le monde. Excusez-moi. Je savais pas, pardon. Mettez une bonne note. Ça peut être vous plaît, bien pour faire des. Au moins. C'est vraiment. Ah, mais attends, mais ça veut dire qu'on peut prendre des time-out au milieu d'un service. Pour, exactement. Pour se recentrer. Alors attendez. Ok, ça c'est important. Attendez, c'est vrai. Oui, alors là, c'est très important comme choix. On va rentrer dans la partie cosmétique du jeu, mais avec des petits effets, des passifs. Ok. Donc on a le choix entre un resto ça, plutôt. Cosmétique. Vous allez voir. On va avoir le choix ici entre un resto abordable ou formel. Ok. Vous avez vu, il y a des bonus qui vont pouvoir être débloqués en fonction du nombre de décorations qu'on va acheter dans les rounds de décoration. On peut pas acheter de la déco tous les rounds. Donc là, on a le choix entre soit les temps de repas sont diminués et la réflexion. Donc c'est pour qu'ils enchaînent plus, comme ça ils prennent pas leur temps à manger, ils mangent, ils repartent très vite. Il y a possibilité aussi de faire en sorte que du coup les consommables de table soient réutilisés. Alors on en a pas encore ici, mais on pourrait avoir des serviettes, on pourrait avoir des bougies, on pourrait avoir plein d'autres trucs qui donnent des bonus sur les tables. Et faire en sorte aussi que ils prennent encore moins de temps pour manger. Et en plus, il y a même plus de phase de service. Ça veut dire qu'au moins, si vous avez servi quelqu'un une fois, le deuxième va pas être en mode vite. Ah, c'est pas mal. Ça, c'est le bonus max de abordable. Ah, c'est pas mal.
Alors, ah non, il y a formel. Au cas où, j'ai le SAV de TripAdvisor qui vient de me dire on tient à signaler qu'on n'a pas payé pour cette citation, on va encore se prendre un procès pour OPSP caché. Voilà. Ah. Ils sont un peu dégoûtés de qu'on cite leur marque. Ah. Donc, TripAdvisor. TripAdvisor. Ouais, merde. TripAdvisor qui est pas content, Wing. Ok. Ouais. Sinon, Google. Sinon, les notes sur Google. Hein. D'ailleurs, en parlant de ça, la glace avait coulé partout, tache de gras sur mon verre d'eau, j'ai failli me luxer la hanche avec une flaque d'eau à la sortie, je reviendrai. Mais le chef, par contre, le chef, il est bien. Par contre, moi je lis un commentaire, le chef, super ambiance grâce au chef. Non. Sa présence embellit ma journée. Mais c'est un mensonge total là ce que t'es en train de nous faire. C'est pas vrai. On te croit pas en fait. Pourquoi ? Pas du tout. Et sinon, vous avez formel aussi à droite qui vous permet en fait de diminuer le désordre. Diminuer le désordre. En fait, j'avoue que une amélioration pour faire en sorte qu'ils arrêtent d'être des putains de porcas. Bah, les serviettes, pourquoi pas. Hein. Ouais. Les serviettes pour ça. En vrai, pourquoi pas. Hein. Non. TripAdvisor, accueil chaleureux du chef, bon repas, rapide. En revanche, les serveurs s'amusent avec leurs boules. 4,5 sur 5. Ok. Mais ça, non, mais ça. Ouah, frère, quel avis. Ça va. Alors ça joue avec ses boules. Ça, en vrai ça va, ça met bien. Ça joue avec des saucisses et des boules, le resto est exceptionnel. Ah c'est. Oh là 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 là. Bon vous voulez aller où? Bah en vrai moi je me rends pas compte, je connais pas assez de jeux, je m'en fous. Moi j'avoue que je connais pas non plus donc là après... c'est vraiment à vous de nous lead en vrai. J'ai envie de dire on s'appelle le Hot Dog Chili Peppers. Bah, votre ressenti, Moi pour moi c'est plus abordable. On est plus un resto abordable que formel tu vois. Bah, moi je trouve que voilà, servir vite quoi. Dans le truc bonne franquette. C'est ça. Smart, tu vois. Tu viens, tu grailles ton hot dog, tu manges des boules, tu dégages, voilà c'est ça. Non mais c'est avant tout du plaisir quoi. Ouais c'est ça.